Je crois que là où le Saint-Esprit va descendre, je vais arrêter. 1 Samuel chapitre 4, verset 16. Je crois que c'est aujourd'hui que je mets fin à ça. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille. Et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit, qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Celui qui a porté à la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant le Philistin. Israël anakimbia mbele ba Filistini. Et le peuple a éprouvé une grande défaite. Na bantu banakufa sana. Défaite. Banashindwa. Et même tes fils. Ataba totako bawili. Ofni et Finé. Ofni na Finéasi. Sont morts. Banakufa. Et l'arche de Dieu. Na sanduku ya Bwana banaibeba. A été prise. Banaibeba. À peine y-il fait mention de l'arche de Dieu. Kisha tu kukumbuka vile sanduku ya Bwana ilikoya. Qu'Eli tomba de son siège à la renverse. Eli akaanguka pakiti yake chini. À côté de la porte. Pembeni ya mlango. Il se rompit la nuque et mourit. Na shingo ikavunjika akakufa. Car c'était un homme vieux et pesant. Kwa sababu alikuwa mtu alishakuzeka tena mzito. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Alikuwa muamzi muIsraeli miaka 40. Sa belle fille, femme de Finé, Biba mtoto yake Biba Finasi, était enceinte. Alikuwa na mimba. Et sur le point d'accoucher. Na karibu kuzala. Lorsqu'il entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, wakati alisikia habari kusema sanduku ya Bwana banaibeba, et de la mort de son beau-père, na kufa kwa baba yake mkwe, et celle de son père, na kwa bwana yake, il se courba. Na yeye akakunjama akusha na kuzala. Car le douleur la surpris. Kwa maana maumivu limshitusha. Comme elle allait mourir. Vile anataka kufa. Les femmes qui étaient auprès de lui lui dit. Bana mungi walikuwa pembeni yake wakamonesha. Ne crains point. Usiongope. Car tu as enfanté un fils. Kwa sababu nazala mtoto mwanaume. Mais elle ne répondit pas. Lakini asikujibu. Elle ne fit pas mention. Wala kumangalia mtoto. Elle appela l'enfant Ikabod. Akaita mtoto Ikabod. En disant. Mkusema. La gloire est bannie d'Israël. Utukufu Israeli naenda. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu. Ilikuwa ni kwa ajili ya vile balibeba sanduku ya Mungu. Et à cause de son beau-père et de son mari. Na kwa ajili ya lufu ya baba yake mkuu na bwana yake. Elle dit. Akasema. La gloire est bannie d'Israël. Utukufu Israeli naenda. Car l'arche de Dieu est prise. Kwa sababu sanduku ya Bwana banaibeba. Inclinons nos têtes. Tushushe vichwa vyetu. Je voulais que nous puissions chacun dire un mot à Dieu. Napenda kila mmoja amoneshe Mungu sauti moja. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Nous chantons sans musique. Tuimbe ile mwimbo. Alléluia. Oh, loué soit l'Éternel. Sois l'Éternel. Alléluia. Oh, l'Éternel ma bannière. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Chantons l'Éternel ma puissance. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Oui, l'Éternel ma guérison. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Chacun de nous fasse ces mots de prière. Kila mmoja wetu aombe. Juste pour écouter la parole. Kwa ajili ya kusikia sauti ya Mungu. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana.
Seigneur notre Dieu, nous nous abandonnons à toi pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la... Asseyez-vous vraiment dans la présence du Seigneur. Je voulais que nous puissions un tout peu parler avec vous. Avec cette petite prédication que je vais pas aborder. Par la grâce du Seigneur. Je crois que le Seigneur nous parlera. Je ne serai pas très brutal là. Je voulais un peu que le Seigneur puisse m'orienter. Afin que l'onction soit un peu avec beaucoup de réserves. Je crois. Je suis en train de parler sur Ichabod. C'est le nom de l'enfant de Phinehas. L'enfant de Phinehas dont sa femme avait accouché. Alors que Phinehas était parti en guerre, il est décédé. Alors qu'il était l'enfant d'un grand sacrificateur. Est-ce que l'Église, vous êtes ensemble avec moi? Alors que Phinehas est décédé dans la guerre, la Bible dit sa femme est restée. Quand il a appris la mort de son mari, la mort de son beau-père, et la prise aussi de l'alliance, alors la Bible dit elle s'est courbée et elle s'est accouchée. Amen. Amen. Alors toute femme hébraïque, saisissez-moi là dessus, toute femme hébraïque, c'était la femme qui donnait le nom en Israël. Alikuwa ni mwanamke ndio alikuwa anapanga jina ya mtoto kwa Israeli. Selon la coutume hébraïque, kulingana na desturi ya Baibrania, c'est les femmes qui donnent les noms aux enfants. Ni banamke ndio anapangaka majina kwa mtoto. Ce n'est pas le parent ou les hommes comme nous négocions souvent. Aina ba naume sawa vile tunayaka tunaongea. Des fois avec nos femmes pour les dire ce bébé que tu as ici. Kwa ajili ya kumonesha bibi yako sio mtoto nazala. Nous allons les donner le nom à tel ou à tel. Tutampanga fulani wala fulani. En Israël ce n'est pas comme ça. Kwa Israeli aina vile. En Israël. Kwa Israeli. C'est quand la femme exerçait les douleurs d'enfantement. Ni wakati mwanamke eko naona maumivu ya kuzala. Pendant qu'il était en train de pousser les. Wakati eko napenda kuzala mtoto. Les femmes sages étaient tout autour. Pour écouter ce qu'elle va, les noms qu'elle va sortir. Vous êtes avec moi. Et chaque nom qu'un enfant trouvait, ou la maman donnait à son enfant, ce nom-là correspondait au problème ou à la situation ou au moment où l'enfant a traversé. C'est pourquoi la Bible dit, quand elle a appris wakati alisikia, que l'arche de l'alliance, sanduku ya umilele, amen, amen, l'arche de l'alliance, sanduku ya agano, amen, amen, était prise, balibeba, alors elle était vraiment en prière, aliangaisha kweli, et la Bible dit elle est tombée en extase, na Biblia inasema yakaanguka. Moment, moe, elle s'est courbée parce qu'elle n'avait pas encore l'espoir. C'était le Dieu d'Israël. C'était l'arche de l'alliance. Qui leur épargnait dans beaucoup de choses. La force d'Israël était l'arche de l'alliance. Israël était fort. Israël quand il gardait l'alliance de Dieu. Quand il brisait l'alliance. Les ennemis les dominaient. Alors cette femme s'est dit, que serions-nous alors que les Philistins ont pris l'arche? On n'a même pas un pasteur dans les mains. Élu le sacrificateur qui était notre juge. Il vient de mourir. Mon mari est mort. Je ne sais pas ce que je serai. Même la parole qu'on avait, la parole a été prise. Amen.
Amen. La Bible dit que dès qu'elle a donné l'enfant, d'autres femmes lui ont dit, ne crains rien. Sois content. Alléluia. Alléluia. Car tu viens de mettre au monde. La Bible dit, elle n'a pas tiré attention. Amen. Amen. Elle ne fit pas attention. Pourquoi? Parce que son souci était l'arche de l'alliance. Qu'est-ce que l'arche de l'alliance? C'est la parole. C'était la loi mosaïque. La parole de Moïse. Neno ya Musa. Était caché dans l'arche. Il fichamio msandoku. Amen. Amen. Et c'est cette parole Nanile neno. Qui faisait le succès aux enfants d'Israël. Il quoi na leta nguvu kwa watoto wa Israel. C'est pourquoi remarquez que quand Dieu appelle Josué. Mutamboeno kati Mungu alimuita Yoshua. Dans Josué chapitre 1er. Mu Yoshua kitabu kya kwanza. C'est lui dit ne crains point, prends courage. Mungu anamwonesha siongope chukua bidii. C'est toi. Ni we. Qui amènera ce peuple dans le pays. On t'appellera ba bantu muinchi. Que j'ai choisi. Il est mini chakula. Amen. Amen. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Apana kugeuka kushoto wala kumbe. Que ce livre de la loi. Hiki kitabu cha sheria. Ne s'éloigne point de ta bouche. Jisende mbali na kinywa yako. Et dites le jour et nuit. Ukitafakari usiku na mchana. À ce moment-là. Ni mwili wakati. Que tu auras des succès dans tes entreprises. Utaweza mbioto utaanza fanya. Ou dans tout ce que tu entreprends. Wala mbioto utafanya. En vrai dire. Mukosema kwa kweli. La force de Josué. Nguvu ya Yoshua. Logé dans le message de Moïse. Il y a quoi qui cala mon jumbe à Moussa? Donne-moi un amen, j'avance. L'étamine à Moukouba Niende. La force de Josué. Gouva Yeshua. Était logé. Il y a quoi qui cala? Dans le message de Moïse. Mon jumbe à Moussa. Je voulais dire à quelqu'un. Il est peine à connaître sa mouta soubouille. Remarquez même quelque chose. Tamboué qui tout. Quand les Jourdains étaient devant les enfants d'Israël. Wakati Yudan, il y a quoi qui cala Israël? Après le départ de Moïse. Qui cha Moussa Kwenda? Les Jourdains. A barré la route aux enfants d'Israël. Yordani ilizubilia njaku batoto Israel. Israël a dit à Josué. Na Israël kabele Yeshua. Nous ici. Si yaba. Nous te croirons. Tutakuamini. Si nous verrons. Kama tutaona. Le Dieu qui était avec Moïse. Mungu alikuwa na Musa. T'accompagne. Koko sindikiza. Et aujourd'hui. Na leo. On n'a pas de tel croyant. Atuna na baminifu bavile. Aujourd'hui un croyant. Siku ya leo muaminifu. Il choisit le Christ parce qu'il est de sa tribu. Eko na chakula kalisa kwa sababu mchungaji. Il choisit les pasteurs parce qu'ils ont quitté avec un tel part. L'église n'est pas un comité de mutualité. Quelqu'un dit amen. L'église n'est pas un comité de mutualité. L'église n'est pas une réunion politique. Dans une réunion où Dieu ne descend pas. Ce n'est que de la politique. Je voulais dire à quelqu'un. On choisit l'église. Dans l'être surnaturel et dans cette église. En d'autres termes. Quand la colonne de feu confirme la prédication qu'on prêche dans cette église. Nous te croirons. Si nous verrons. Kama tutaona. Le Dieu qui était avec Moïse. Mungu aliyekuwa na Musa. T'accompagne. Kukusindikiza. Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Si nous ne le voyons pas. Kama tumuone le Mungu. Nous allons chercher ce Dieu. Tutatafuta le Mungu. Je voulais prêcher à quelqu'un. Nilipenda bili mtu. Frère Branham. Na bien le sema. On cherche Dieu en marchant. Bana tafuta kwa Mungu mkutembea. Alléluia. Alléluia. C'est quand tu marches. Ni wakati kuna tembea. Que tu cherches Dieu. Ukona mtafuta Mungu. Quand la colonne de feu se déplaça en Israël. Wakati nguzo ya moto ilikuwa inatembea Israeli. Israël aussi marchait pour chercher la colonne de feu. Israël alikuwa anatembea kwa ajili ya kutafuta nguzo ya moto. C'est là où la colonne de feu s'arrêtait. Ni pale nguzo ya moto ilikuwa inasimama. C'est là où ils rédigeaient leur temple. Ndio pale walikuwa wanajenga mama yabo. Quand la colonne de feu se déplace. Wakati nguzo ya moto inatoka. Eux aussi se déplacent. Na baba anakunja mama yabo. Qui dit un grand amour? Oui, mes frères. Nous adorons là où il y a la colonne de feu. Tout qu'on a pour prendre quoi que ce moto. Oh my my my. Oh là là. Nous adorons. Tout qu'on a pour. Là où Dieu confirme sa parole. Parle à Mungu kuna kikisha neno yake. Et Dieu ne confirme pas un menteur. Na Mungu asikalaka na kikisha wabongo. Dieu confirme la vérité. Mungu na kikisha kweli.
Amen. Et la Bible dit, na maandiki nasema, devant le Jourdain, mbele ya Yordan, Josué, Yoshua, a pris l'arche de l'alliance. Alibeba sanduku ya agano. Il l'a donné au sacrificateur. Alipana bakoani. Et les sacrificateurs ont tenu l'arche. Na bakoani balibamba sanduku ya agano. L'arche était devant. Sanduku ilikuwa mbele. Et les trompettes derrière. Na tarumpeta kumkono. Le Jourdain devant. Na Yordan mbele yapo. Et ils ont traversé le Jourdain. Na baba litambuka Yordan. Avec l'arche transportée. Na ile sanduku inkubebewa. Je voulais dire que la parole doit être toujours devant. Nilipenda kusema neno na pasha kwa kele siku mbele. Ele dodo kipe la deuxième position. Na mazawadi kumukongo. Amen. Amen. Dans une église où les dons, où les prophéties. Mukanisa mbaye maunabi. Où les prophéties conduit l'église. Mukanisa ile maunabi wala machombo njo longoza kanisa. Un désordre. Ile ni fujo. C'est la parole qui est le conducteur des dons. Neno njo kongoza mazawadi. Donnez-moi un grand amen. Notamine munene. Est-ce que c'est la vérité? C'est la parole qui conduit les dons. Les dons doivent occuper la deuxième place. Mazawadi n'a pas ce sont les moyens secondaires. Amen. Mais la parole, Neno, c'est le moyen primaire. C'est le don le plus excellent. Le diable peut tout imiter. Mais il n'imitera jamais la parole. Amen. Amen. Merci Seigneur. A et je voulais dire que cette pauvre femme, elle a donné à son enfant le nom d'Igabod. Alipanga mtoto yake jina Igabod. Parce que la gloire de Dieu était bannie en Israël. Kwa sababu utukufu wa Mungu ulitoka Israël. Chaque fois que Dieu quitte, kila mara Mungu anatoka, ou abandonne quelqu'un, wala anaacha mtu, ou quelqu'un abandonne Dieu, wala mtu anamwacha Mungu, il devient in Igabod. Anakuya mtu bila utukufu. Là où Dieu se trouve, il y a la bénédiction. Je voulais lire un peu dans 2 Samuel chapitre 6. Nilipenda kusoma Samuel wa pili sura 6. 11 à 16. Kuanzia 11 mpaka 16. Lisons la parole de Dieu. Tusome sote ya Mungu. La Bible dit ceci. Biblia inasema. L'arche de l'Éternel isanduku ya milele resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom. Ikabakia miezi 3 mu nyumba ya Obed-Edom. De Gad. Ule wa Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Edom. Na wa milele Mungu akabariki Obed-Edom. Et toute sa maison. Na nyumba yake yote. L'arche a fait 3 mois. Isanduku lifanya miezi 3. Dans la maison. Mon nyumba. D'Obed. Ya Obed. Vous êtes avec moi? Muko tayari. Et Dieu n'a pas béni seulement Obed. Na Mungu asikubariki tu Obed. Il a béni toute sa maison. Alibariki nyumba mzima. Donne-moi un amen, je voulais dire quelque chose. Leta mimi napenda sema mambo moyo. Maintenant. Sasa. Depuis que toi tu es dans ce message. Tangu wako mujumbe. La parole a fait combien de mois dans ton cœur? Neno inafanya miezi ngapi moyo yako? Et pourquoi tu n'es pas béni? Na jua nini ubarikiwa? Il y a des circuits. Peko mambo mbaya. Il y a des circuits. Peko mambo yendeke. Obed-Edom. Obed-Edom. Il a gardé la parole. Ali chunga neno ya Mungu. 3 mois. Miezi 3. Dieu l'a béni. Mungu alimubariki. Pas seulement lui. Apana tu yeye. Et c'est de sa maison. Na boti ba munyumba. 3. Oui. Tu as gardé le message dans ton cœur. Ona chunga ujumbe roho yako. Combien de mois? Miezi ngapi? Et pourquoi ta vie ne change pas? Na tua nini maisha yako yabadilike? Il y a un problème. Peko mambo. Dis à ton voisin, il y a un problème. On est chez Mwenzako, peko mambo. Dis-lui, tu y a un problème à résoudre. Umone suku na mambo la pesa kutengeneza. C'est toi le problème à résoudre. Wewe njo mambo yenye kutengeneza. Le mec, le vendredi, Branham nous a dit. Vous casitano na bientonis. Ce n'est pas le problème du pasteur. Aina mambo mchungaji. C'est le problème des croyants. Ni mambo ba minifu. C'est toi qui est le problème. Wenjo mambo. Le message est prêché. Uchumi na birio. Lâche dans ton cœur. Sanduki kumroho yako. Nous prenons la parole. Tunabeba neno. Sans mélange. Bila kuchanga. Nous le déposons. Tunayacha ndani yako. Mais pourquoi tu n'évolues pas? Tu es nini uendelee? Non, je voulais que tu dises à ton voisin, tu n'évolues pas pourquoi. Na pendo ulize mwenzako, au endelee juu ya nini? L'évolution ce n'est pas acheter une voiture. Ii kuendelea na kuuza motoka. L'évolution ce n'est pas avoir une maison en état. Kuendelea na kuwa na nyumba mgorofa. L'évolution. Kuendelee. Savoir la vie de Christ en toi. Ni kuya na uzima Kristo ndani yako. Na moyo grand amen. Leta mimi munene.
n'évolues pas. Tu as nina wendele mbele. Tu n'as même pas l'onction de chasser les maux de tête. Auna ta upako ya kufukuza kichwa kuluma. Tu n'as même pas l'onction de chasser les maux de tête. Unakosa na upako ya kufukuza kichwa kuluma. Toi tu es prêt à appeler n'importe qui pour prier pour toi. Weko tayari kuita tana na kuombe. Sauf toi même. Mpaka wewe mwenyewe. Sauf toi même. Kutosha mpaka wewe mwenyewe utaweza omba. Tu parles plus le problème, ta mère dit, tu lui dis, maman, ne m'oubliez pas dans la prière. On est à quoi mbali la kuita maman kusini sa maombi. Tu peux réunir même les postolo. On est à kuita les apostolo. Mais toi même tu n'as pas la force de prier. Wewe mwenyewe unakosa nguvu maombi. Pourquoi? Tu es nini? Igabod. Igabod. La gloire de Dieu ne plie à toi. Utukufu wa Mungu ana ndani yako. Je voulais dire, nilipenda sema, on ne vient pas à l'église pour occuper les bancs. Kwa ajili kuikala mubiti. On ne vient pas à l'église pour nous laisser voir. Kwa ajili tuonane. On vient à l'église pour recevoir la vie de Christ. Kwa ajili kupokea sema Kristo. Donnez-moi la parole. Leta amina kunene. Donnez-moi un amen. Leta amina. Mes frères, mundugu yangu, à l'église on ne vient pas. Komisa tukuyaki. Tu ya kufui biti. Depuis que je commence à kanisa maisha kuikuje pombo kuna kunwa mafi kumumilomo bushara chukwamo pepo yote mibayi kundani yako. Mais tu viens à l'église pour faire quoi? On a quoi commencé à faire nini? Lâche fait toi moi. Il s'en doute quoi pour faire mes états. Dans la maison d'Obed. Mon nyumba Obed. Amen. Amen. Et la maison était bénie. Na nyumba ilibarikiwa. Ce soir je ne parle pas de la maison d'Obed. Mangaribi leo usisemie juu ya nyumba Obed. Parce que la parole dit. Kwa sababu neno linasema. Vous êtes le temple de Dieu. Moko hekalu ya Mungu. Vous êtes la maison de Dieu. Moko na nyumba ya Mungu. Au Dieu toi habite. Pale Mungu anapasa ikala. Et Dieu c'est la parole. Na Mungu ni neno. La parole est dans ton cœur. Neno kwa roho yako. Pourquoi tu n'évolues pas? Tu es nina uendelee. La Bible dit. Biblia inasema. Et toute sa maison. Na nyumba yote. On veut dire au roi David. Makakuya kumonesha mfalme Daudi. L'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom. Mungu anabariki nyumba ya Obed-Edom. Et tout ce qui était à lui. Na byote bilikuwa byake. À cause de l'arche de Dieu. Kwa ajili ya sanduku ya Mungu. Et David s'est mis en route. Na Daudi akajiweka munjia. David s'est mis en route. Daudi akaingia munjia. Amen. Amen. Et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom. Na akatosha sanduku ya Bwana kutoka munyumba ya Obed-Edom. Jusqu'à la cité de David. Mupaka mutauni ya Daudi. La cité de David. Ile tauni ya Daudi. C'était un camp que Israël et David plutôt avaient construit avec son argent. Ilikuwa ni kambi ile Daudi alijengaka na makuta yake. Dieu m'a fait grâce d'aller là-bas, j'ai vu ça. Mungu alinifanya neema kwenda kuiona. C'est tout un quartier. Ni kambi mzima. Je ne dirais pas tout un quartier. Sitasema kambi mzima. J'ai dit bien toute une ville. Ni mukili mzima. Et c'était la concession de David. Na ilikuwa ni kipande ya Daudi. Il a construit des maisons et des maisons. Alijenga manyumba na manyumba. C'est alors qu'un jour. Njoo pale siku moja. Quand il a regardé l'arche dans sa maison. Wakati aliangalia sanduku munyumba yake. Il a comparé sa maison. Akaangalia nyumba yake. Et il compare aussi la maison de Dieu. Na anaangalia na nyumba ya Mungu. Il dit ce n'est pas possible. Akasema bila iskaniki. Comment la parole de Dieu? Namna gani neno ya Mungu? L'arche de mon Seigneur. Sanduku ya Bwana wangu. Na pas un endroit à dormir. Haina fasi ya kulalia. Mais moi un péché. Lakini mimi mfanya zangu. J'ai une maison à marbre. Niko na nyumba mzuri. C'est alors qu'il a pris la décision. Ndio pale bela mpango. De construire pour Dieu le tabernacle. Kumujengea Mungu maskani. Ou le temple. Wala maskani. Mais quand il voulait construire. Dieu lui a dit David. Mungu alimaanisha Daudi. Toi tu n'as pas droit de construire. Wewe una ruhusa kujenga. Car tes mains ont du sang. Kwa sababu mikono yako iko na damu. Tu as tué. Uliua. Tu as fait beaucoup de choses. Ulifanya vitu mingi. Dans ton royaume. Dans l'enfer. Tu n'as pas droit. Hauna ruhusa de construire. Ya kujenga. Mais Salomon ton fils. Lakini Sulemani mtoto wako. Construira. Hata nijengee. Un tabernacle. Maskani. Donnez-moi un amen. Leta mina. Vous voyez. Monon. Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Alors on a pris l'arche. Balibeba sanduku. On l'a amené dans la cité de David. Baka
ilileta mtown ya Daud. Gloire à notre Seigneur. Sifa kwa Bwana. Mais mon problème ce soir. Mambo yangu leo. C'est pour que vous remarquiez. Ni kwa ajili mtambue. Juste la présence de la parole. Ile tu wapo ya neno. Dans la maison d'Obed. Mu nyumba ya Obed. La maison était bénie. Nyumba ilibarikiwa. Si Dieu. Kama Mungu peut bénir un homme. Anaweza bariki mtu. À cause d'une loi. Kwa ajili ya sheria. Or la loi c'est la mort. Ijapo sheria ni lufu. Alors qu'aujourd'hui nous avons reçu la grâce. Mwile siku ya leo tunapokea neema. Pourquoi pas on ne peut pas être béni. Juu ya nini tupashe barikiwa. Amen. Amen. Écoutez un peu ce que frère Branham dit. Tusikie kile nabii wetu anasema. Est-ce que vous aimez les prophètes? Eto mnampenda nabii. Dans quoi tu cela? Unaamini ile? Il a prêché 53. Alubiri 53. Comme il y en a beaucoup, il a prêché au mois de septembre. Alubiri kumwezi wa kenda. Écoutez ce que frère Branham dit. Musikie kile nabii atasema. Au point 70. Nukta 72. Frère Branham parle de Jésus. Nabii anasema juu ya Yesu. Chez Lazare. Kwa Lazare. Mais écoutez ce qu'il dit. Musikie bila anasema. Quand Jésus s'est éloigné de cette maison de Lazare. Wakati Yesu alienda mbali na nyumba ya Lazare. La maladie et les chagrins sont entrés. Magonjo na mambo iliingia. Écoutez là où il y a mon problème. Musikie pe kwa mambo. Suivez-moi mes frères. Munifuate bandugu na batata. Frère Branham dit. Nabii anasema. Quand Jésus s'éloigne de votre maison, wakati Yesu anaenda mbali na nyumba yako, la maladie et les chagrins vont y entrer. Magonjwa na mambo itaingia mu nyumba yako. Quand Jésus, wakati Yesu s'éloigne, anaenda mbali, ou quitte ta maison, anatoka nyumba yako, la maladie, magonjwa, et le chagrin, na mambo, vont y entrer. Itaingia. Frère Branham dit, nabii anasema, absolument, kwa kweli, observez, mwangalie. Quand vous chassez Jésus de votre maison, kama unamfukuza Yesu mu nyumba yako. Na que vous cessez d'avoir la prière en famille. Na muku na pima ako munaacha kuomba maombi ya mchama. Et que vous cessez d'avoir la prière en famille. Na munaacha maombi ya kuomba mchama. Et que vous cessez de lire la Bible. Na munaacha kusoma Biblia. Ainsi de suite dans votre maison. Na biengine biote munyumba yenu. Attendez-vous à ce que les ennuis y entrent. Mwe mchunge mambo itaingia. Ne faites pas semblant, ça c'est la parole de Musisule Dieu. Nina Mungu. Quand tu chasses Jésus, wakati unamwandama Yesu, dans ton cœur, ndani roho yako, tu pars embrasser des mauvais amis. Unaenda kubambana na marafiki mabaya. Tu commences un caractère autre. Unaanza tabia mpya. Quand tu éloignes Jésus dans ta maison, wakati unamfukuza Yesu mu nyumba yako, tu abandonnes la prière en famille. Unaacha maombi ya mjamaa. Je crois que quand je vais retourner en Bujima, naamini wakati nitarudi Bujima, je vais vous prêcher sur l'importance de la prière en famille. Nitamihubiri lazima maombi mjamaa. Pourquoi frère Branham? Johnny ne habite Branham. Met beaucoup d'accent sur la prière en famille. Anasemea sana maombi ya mjamaa. Si Dieu peut m'aider. Kama Mungu atanisaidia. Vous montrer l'importance. Nitamionyesha lazima. Qu'est-ce que la prière en famille? Maombi mjamaa nafanyaka nini? Est-ce que quelqu'un dit amen? Yetu mnasema amina. Merci Seigneur. Asante Bwana. Maintenant frère Branham dit. Nabii anasema. Quand le diable vous ravit la force de prière. Wakati shetani ananyang'anya nguvu maombi. En famille. Mjamaa. Et que tu cesses de méditer sur la parole. Na wewe katala kutafakari paneno ya Mungu. Nabii anasema, attends-toi que les ennuis vont t'attraper. Wewe chunga mambo itakubamba. Si là-bas au fond vous m'avez écouté dit amen. Kama kumwisho mnanisikia mseme amina. Si le diable, kama shetani, te ravi la présence de Dieu. Anakunyang'anya wepo wa Mungu. La prière en famille. Maombi ya mjamaa. Tu ne médites pas encore sur la parole. Hawezi tena paneno ya Mungu. Tu ne prie plus encore. Aombe tena. Branham dit. Nabii anasema. Ta porte est ouverte. Mlango wako uko wazi. Le diable te fera des choses. Shetani atakufanyisha vitu vibaya. C'est un sauvage. Kwa sababu ni mtu wa pori. Ma sœur, Dada Yang, Satan lui cherche un trou. Satan anatafuta pa kuingilia. Si la porte est fermée, kama mlango ukifungwa, il n'a pas droit d'entrer. Asina ruhusa kuingia. Quand tout est ouvert, kama mlango uko wazi, même si c'est sur une petite trou, hata ni katundu kaloko, il entre là. Ataingia. Et quand il entre, na wakati anaingia, Branham dit, Nabii anasema, c'est un sauvage. Ni mtu wa pori. Et vous savez quand un sauvage veut agir, mnajua mtu wa mpori kama anapenda kufanya. Il dérange tout. Anarudisha kabiote. Branham dit
les maladies entrent. Nabi anasema magonjwa taingia. Les ennuis entrent. Mambo taingia. Les difficultés entrent. Magumu taingia. Ce soir. Mankarib. Je voulais ramener Jésus tout droit dans ta vie. Napenda kuleta Yesu ana kwa na maisha yako. Si tu dis amen, il doit retourner. Kama unasema amen atarudia. Je le ramène tout droit. Namurudisha ana kwa na. Dans ta vie. Mu maisha yako. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Yetu mnampenda Bwana. Branham dit. Nabi anasema. Quand vous cessez d'avoir la prière en famille. Wakati mnaacha kuomba mjama. Je voulais un peu poser une question de curiosité. Nilipenda tu kuuliza. Qui prie en famille? Ni banani banaombaka mjama. Ne trompez pas devant Dieu. Musilande mbele ya Mungu. Qui prie en famille? Banani banaombaka mjama. Ils sérénissent comme ça. Banajikutanisha. Avec ses enfants. Na batoto yake. Et ils prient le Seigneur. Na banaomba Bwana. Est-ce que vous êtes levé un peu les mains? Mopandisha mikono nimeona. C'est une question de curiosité. Ini kuuliza tu. Je vous remercie. Acclamez pour vous. Na nishukuru mpike mikono kwa ajili yenu. Non, acclamez pour vous. Mpike mikono kwa ajili mwenyewe. C'est encore une question de curiosité. Ini swali tu nilipenda kujua. Qui ne prie pas, soyons sincères. Tukuye baki. Levons seulement la main. Qui ne prie pas en famille? Ils ont déjà abandonné cette histoire-là. Balisha kuache le bintu. Levez seulement la main. Mupandishe mikono. Soyons sincères. Tukuye baki. Juste le fait de lever la main, la puissance de Dieu va te toucher là-haut. Ile tu namna kupandisha mkono, nguvu ya Mungu itakubamba. Cela montre que tu es sincère devant Dieu. Ile inaonyesha kuwa haki mbele ya Mungu. Tu ne prie pas pour que les gens te voient, tu prie pour que Dieu te voie. Wewe aombe kusudi bantu bakoni, unaomba juu Mungu akuone. Lève la main, ma sœur. Pandisha mkono dad. Que Dieu vous pardonne ce soir. Mungu anisamehe mangaribi leo. Ce soir, Mangarib, allez prier. Mwende muombe pamoja na batoto. Peut-être cette prédication Satangini mahubiri était pour toi. Ilikuwa juu yako. Peut-être les choses n'entraient pas. Satangini bintu alikuwa naingia. Parce que tu étais en ignorance. Kwa sababu hukuwa na jua. Mais comme tu connais la vérité. Vile unajua kweli. Fais tout de retourner dans ce que tu étais. Fanya nguvu yote rudia vile ulikuwa kumbele. Multiplier le prière en famille. Ongeza maombi mjama. Acclamez pour le Seigneur. Mupike mikono kwa ajili ya Bwana. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit. Nabii watalesema. Quand vous cessez de lire la Bible, wakati unaacha kusoma Biblia, encore une question de curiosité. Ulizo tena tupenda kujua. Qui lit sa Bible chaque jour? Nani anasomaka Biblia yake kila siku? Levez seulement sincèrement les mains comme mes frères et sœurs qui ont levé leurs mains avec beaucoup de sincérité. Mweye munyoloshi tu mikono yenu na ukweli kabisa. Zambi wani men. Eh? Ni bangapi? Wow. Mais je c'est terrible. Ah ah, ni bia job. Mama, ok. Qui lit sa brochure? Nana na somaka kitabu yake. Non, la Bible et les brochures, c'est toujours la même chose. La Bible et les brochures, c'est là qu'ils lisent chaque jour. Levez les mains. Bale bala somaka kila siku kitabu na Biblia Branham wala Biblia mkono yulu. Je dis bien chaque jour. Kila siku. Hautapitisha siku bila kusoma. Moi je lève ma main d'abord. Mina pandisha wa kwanza mkono yangu. Pour moi c'est un devoir. Kwangu mimi ni maisha. Ki aussi. Mwingine wa pili? Zambi wani. Wow, bia buluma. Bushushi. Mushushi. Très bien. Ni mzuri. Nous sommes un peu sincères, hein. Si tukubaki. Qui est sur WhatsApp chaque jour? Ni nani ule na kalaka na jikonekte pa WhatsApp kila siku. Kila siku WhatsApp. Mi shilani, mi ujo. Mchungaji wa kwanza na nyalosha kiuloli. Wapiri ni nani? Kila siku. Bachater, suweke mikono. Badado na badugu. Ya. Aba ba jeune fille bobe kuna chatter ni msoutien. Mnaona? Mupandishe mikono. Tena je motisha kuaka tunanga. Tona tu ni kamoto tu. On a des jeunes filles dans la maison dont vous ne et qu'on a téléphone mais ya mushika siku iko na sumbulia. Auta monaka. Kwa mtoto wangu hii téléphone ashi sumbulia. Kumbi mu toilette mko ma faire. Njoo mna kala ka rezo. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Et tu n'as pas piqué quoi tu mes frères, mais ce n'est pas possible. Abi was kanike. Voilà pourquoi. Moni sabab. Nous devons d'abord commencer comme ça. Tu anze mbele chini chini.
Nous sommes beaucoup montés. Tulipanda sana. Mais les choses élémentaires. Bintu bya lazima bya msingi. Nous l'avons abandonné. Tulibiacha pembeni. Comment Dieu peut nous bénir? Namna gani Mungu anaweza tubariki? Parce que le secret de la bénédiction. Kwa sababu siri ya kubarikiwa. Que ce livre de la loi. Hiki kitabu sheria. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Usiende mbali na kinywa chako. Ukipe le jour. Ukitafakari usiku na mchana. C'est le secret de la bénédiction. Jo siri ya mibaraka. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui ne médite pas la parole. Mungu asikalake alibariki mtu na sikalake anawaza paneno yake. A moins que tu aies un fétiche chez toi. Ikuye tu kuna dawa kwako. Mais la bénédiction de Dieu. Ni baraka Mungu. Vient par la méditation de la parole. Ikuna kuya kusoma neno yake. Donne-moi un amen, j'avance. Leta mimi niende mbele. Comment vous ne pouvez pas lire la parole? Namna gani mnaweza kupitisha siku bila kusoma neno ya Mungu? C'est pourquoi vous allez voir des fois nous sommes à la chair. Ça nous complique ici. Une écriture nous échappe. Nous demandons ici zéro. Jobana mtaona tuko kwa mazabau, andiko moya inatuponyoka. Tunauliza kwa bantu hakuna kujibu. Mais nous sommes là sur WhatsApp. Tuko pa WhatsApp, Facebook. Toutes ces choses là c'est bien. Bila biote ni bizuri. Mais il faut que la parole de Dieu soit en première ligne. Lakini mbele bile bitu biote weka neno ya Mungu pafasi ya kwanza. Parce que frère Banam dit. Nabi watarosema. La télévision c'est une malédiction. I télévision ni laana. Mais ça dépend de la manière dont vous l'utilisez. Lakini iko na fatanisha na namna vile kunaitumikisha. Si tu l'utilises. Kama unaitumikisha. Pour écouter la parole. Kwa ajili ya kusikia neno la Mungu. Pour l'évangile. Kwa ajili ya injili. C'est une bénédiction. Ni baraka juu. Mais si tu l'utilises. Kama unaitumikisha. Pour voir des émissions sales. Kwa ajili ya kuona vitu abucha. C'est une malédiction. Ni laana juu yako. Ça dépend de l'utilisation de ton téléphone. Iko na fatanisha vile unatumikisha simu yako. Comme moi chaque jour je suis en connexion tel que vous me voyez, que ça soit à 1h, si vous me cherchez à 2h, je suis toujours connecté. Mon pas qu'à connecter parce que j'ai des croyants en Europe, en New York. Nikona ba minifu ku New York. Je cause avec eux pendant que nous sommes la nuit et sont encore pendant la journée, c'est ils se réveillent, ils sont là et ils parlent avec moi sans problème. Je suis toujours connecté. Niko kila siku connecté. Ça dépend de l'utilisation. Inafatana na bilu kunaangalia. Que Dieu bénisse quelqu'un ici. Mungu bariki mtu moja. Femme na mdi quand Jésus quitte ta vie. Na bela sama kati Yesu anatoka maisha yako. Ou quand il quitte ta famille. Wala anatoka mjama yako. Quand vous cessez la réunion de prière en famille. Ili wakati munasimamisha maombi ya mjama. Praname de. Na bela sema. Attendez-vous à ce que les ennuis y entrent. Wewe mchunge mambo ingie. Écoutez frère Branham. Sikia nabi. C'est exact. Ni kweli. Le problème. Mambo. Les ennuis. Mambo. Ils sont en route de ce moment-là. Iko mubalabala wakati mwa munasimamisha maombi. Est-ce que qui me promet de faire différemment ce soir? Nana nani laka kufanya kinyume bila anza fanya. De se donner quand même une discipline. Kujipatisha kwa kanuni. Sur sa vie. Pamasha yake. Avant d'aller au travail. Bila kwenda mkazi. Tu lis la Bible ou les brochures. Unasoma Biblia wala kitabu na Biblia. Même deux ou trois versets. Hata vipande viwili vitatu. Des paragraphes. Wala paragraphe mbili. Tu pries le Seigneur. Unaomba Bwana. Tu pars au travail. Unaenda mkazi. Le Dieu de la Bible. Na Mungu wa Biblia. Le Dieu de la parole. Mungu wa neno. Te bénira. Hata kubariki. Soyons des chrétiens. Tukuyaba Kristo bandugu. Je ne forme pas des croyants quand ils sont à l'église. Mie si fundishe ba Kristo wakati bako tukumisha. Ne soyez pas des croyants quand vous êtes seulement avec moi. Mosikuye tu baaminifu wakati mko na mchungaji. Si des croyants. Mokuye baaminifu. Même si vous n'êtes pas avec les pasteurs. Hata wakati mna na mchungaji. Tu n'es pas à l'église. Hata unakumisha. Mais tu es un croyant. Lakini kumwaminifu. Acclamez pour le Seigneur. Mpike mikono kwa ajili ya Bwana. Merci Seigneur. Asante Bwana. À quoi nous servira-t-il? Et atusaidia nini? De nous réjouir. Kufurahi. De nous réjouir. Kufurai. De sauter. Kuluka. De crier les cris. Kola lamika kumisa. Mais nous ne vivons pas ce que nous faisons. Lakini atuishi kile tuko na fanya. Tu es un idolâtre. Wako mwabudu sanamu. Un idolâtre c'est quelqu'un qui confesse autre chose mais qui fait autre chose. Mwabudu sanamu ni ule kuna kiri biengine lakini bienye kuna fanya ni biengine. Voilà pourquoi Branham va plus loin, il dit. Jomeno nabia nenda mbali na kusema. Quand vous prenez des notes à l'église. Wakati tuko naandika kumisa. Et que vous n'allez pas les lire chez toi. Na kwako kunyumba usomaki. Tu es un idolâtre. Wako mwabudu sanamu.
Un hypocrite. Munafiki. Tu as fait semblant de l'écrire. Ulisula tu kuandika. Mais tu ne pars pas le remédier. Lakini auende kuisoma na kuitafakari. Écoutez ce que le prophète dit. Musikie kile nabii anasema. Dans la prédication qu'il intitule. Mumahubiri ile naita. La voie à laquelle Dieu a pourvu pousse la guérison. Ile njia Mungu alitarisha kwa ajili ya uponyaji. Il a prêché en 1954. Alihubiri 54. Au point 50. Les prophètes disent. J'aurais voulu prêcher l'évangile maintenant pendant 5 minutes. Si j'avais le temps. C'est ce qui arrive dans l'église. Suivez mes frères. Frère Banam dit. Lorsqu'on trouve. Quelqu'un qui ne travaille pas pour contribuer à la bonne marche de l'église, quelqu'un qui a failli et qui s'est retiré, qui est devenu indifférent dans l'église, Branham dit, c'est un cancer dans l'église. Branham dit, une personne dans cette église, tu es dans cette église, mais tu ne contribues pas à la marche de cette église. À chaque problème, tu te retires. Tu es un cancer dans l'église. Mais tu t'amènes, c'est la parole, non? Branham dit, un frère qui est dans l'église, quand un problème arrive, où il y a quelque chose, tout le monde doit faire. Lui, il se retire. C'est un cancer. Et un cancer, c'est un démon. Donne-moi un amen, je prêche. Amen. Amen. Frère Branham dit, Nabiela Sem. Écoutez. Siki. Oh, j'aime ça. Napenda hii. Frère Branham dit, Nabiela Sem. C'est un démon qui est dans cette personne-là. Ni démon mwenye kwa ndani ule mtu. Une personne. Mtu fulani. Qui se retire dans les choses de l'église. Mwenyewe ekule jiweka pembeni kwa kazi ya kanisa. Frère Branham dit, c'est un démon. Nabiela Sem ni démon. Il a un démon en lui. Ekule démon ndani yake. Mes frères et sœurs, il faut qu'on fasse ça pour que l'église avance. Ah non, le pasteur a parlé aux autres, pas à moi. Branham dit, tu es un démon. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu as écouté ça? Est-ce que sœur, tu peux le dire ça? Venez préparer pour les gens au chantier. Ah, y a les autres qui iront. Ah, si ben gine batatumika. Branham dit, tu y a un démon. Nabiela Sema, ukuna démon ndani yako. Mais nous vous avons prêché le Dieu dans la chair humaine, vous ne changez pas. Tulimhubiri Mungu ndani ya mwili wa mtu amubadiliki. Nous vous avons prêché toutes ces choses de mystère, vous ne changez pas. Tunamhubiri bintu byote masiri maisha ni mpaka ile. Laissez-nous vous prêcher un peu ces choses. Mwache tumhubiri bintu amusi. Ça peut délivrer l'âme de quelqu'un. Binaweza kuomboa nafsi ya mtu moyo. Alléluia. Alléluia. Le problème ce n'est pas le fait de sauter. Mambo ina mambo ya kuruka. Le problème c'est la vie qui t'accompagne. Mambo ni maisha ya kusindikiza. Après avoir sauté. Kisha kuruka. Après avoir crié. Kisha kulalamika. Quelle est ta vie? Maisha yako iko je? Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit. Nabi Watarasam. Une personne qui est devenue indifférente. Mutu ule asitumikie tena bitu bya Mungu. Il s'absente comme il veut. Analofa vile la pende. Quand nous prions ici. Wakati sisi tukunaomba. Lui il est chez lui en cinglant en train de ronfler. Yeko kwake msengle kuna ngoroma. En train de faire n'importe quoi. Eko naangalia bintu paka bibai. Frère Branham dit ceci. Nabi alasema. Quand tu t'absentes à l'église. Wakati unalofa kumisi. Et que ton pasteur ne connaît pas là où tu es. Na mchungaji wako asijue kwenye uko. Tu as dérangé l'atmosphère de l'église. Uliharibisha kabisa upako ya nisa ile siku. Mais que quelqu'un t'y amène, non? Non, toi, c'est ma mine. La parole, on doit le vivre. Neno, tu n'as pas ça couvert comme maïcha.
La parole, on doit le vivre. Nena Mungu tunapasha kuishi. Vous êtes prêts pour accuser Dieu. Muko tayari kumchongea Mungu. Seigneur, bénis-moi. Bwana unibariki. Depuis que je suis dans le message. Tangu niko mujumbe. Depuis que toi tu es dans ce message. Tangu uko mujumbe. Est-ce que tu agis conformément à la parole? Eti unaishi vile neno linasema? Fais-moi me dire c'est vrai. Na bela sema ni kweli. Branham dit ceci. C'est un démon qui est dans cette personne. C'est vrai. Et cela rend toute l'église malade à cause de cela. Branham dit. La meilleure chose à faire. C'est de pratiquer une opération spirituelle. C'est pourquoi ce soir, j'aime que Dieu opère dans le cœur de chaque personne. Qu'il délivre ton cœur. Enlève le cœur de chair. Enlève le cœur de pierre. Te donne un cœur de chair. Et un esprit nouveau. Amen. Amen. Branham dit. Na bela sema. Ce qui compte maintenant. Kile tukuna angalia kia muzuri. C'est une opération spirituelle. Ni kupasule kwa kiro. Que Dieu puisse opérer spirituellement. Mungu apasule bantu mkiro. Écoutez ce qu'il dit dans question et réponse. Swali na jibu. Frère Branham dit ceci. Na bela tola sema. Je voulais pratiquer ce conseil ici. Na penda kutumikisha ishauri. Alors que c'est ma dernière prédication. Mwili wakati ni mabiri yangu ya mwisho leo. Aujourd'hui. Kwa siku ya leo. Frère Branham dit ceci. Nabii atasema. Dans question et réponse. Muswali na jibu. Question 59. Alubiri msanganef. Frère Branham dit ceci. Nabii atasema. Et vous n'obtiendrez jamais davantage de la part de Dieu. Na wewe hautapataka hata kitu kimoya kungambo ya Mungu. À moins de devenir rien. Ila tuli wakati utakuwa mtu wa bule bule. Amwe unajishusha. Unajishusha. Amen. Vous n'obtiendrez rien de Dieu. Hautapataka kitu kutoka kwa Mungu. Amwe de devenir rien. Mopaka ile wakati utajishusha. J'avance encore. Naenda mbele. Branham dit. Na Biblia inasema. Vous devez vous rabaisser. Unapaswa kujishusha. Un chrétien doit être humble. Le Christ n'a pas sa quoi mutulifu. L'orgueil c'est un démon. Kiburi ni demona. L'avantarisme. Il est kupenda kujitapa. Kujivumisha. Kujivumisha. Être un vantard. Mutu wa kujivumisha. Frère Branham dit, na bela sema, tu n'obtiendras rien de Dieu. Kwa Mungu hautapokea kitu. À moins que tu deviennes rien. Mopaki wakati utajishusha. C'est quand tu es rien. Ni wakati unajishusha. Que Dieu t'élève. Mungu anakupandisha. Alléluia. Alléluia. Branham dit, na bela sema, vous pour abaisser. On a pas ça kujishusha. Il dit, anasema, celui qui s'élèvera. Oula tajipandisha. Dieu l'abaissera. Mungu atamshusha. Et celui qui s'humiliera. Oula tajishusha. Dieu l'élèvera. Mungu atamupandisha. Que quelqu'un dit alléluia. Anasema alléluia. Dieu élève celui qui s'abaisse. Mungu anapandisha kule mwenye kujishusha. Et il humilie celui qui s'élève. Na anajishusha kaule kujipandisha. Je vous dis mes frères. Na mieleza banduku. S'il y a un homme qui peut te ridiculiser, kama kuko mtu anaweza kukuzaurisha, c'est Dieu. Ni Mungu. Mon frère, ndugu yangu, Dieu quand il te voit monter, 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 wakati Mungu anakuona unajipandisha, 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 il prépare même une petite jeune fille sale. Anaweza kulokota hata mwanamke mwenyewe wa buchafu. Il te donne la petite sur lui. Anakupa hali ya kumtamania na kumfuata. Et on t'arrête, on te met en prison. Na wewe bana kubamba bana kuweka kukasa hapa. Et quand on fait sortir cette fille, wakati bana mtosha mwanamke mwenyewe alitembea naye. Ataka majimu kikukaa. Eh! Kiko propre. Tout le monde dit hey, hey. Ni nani? Oh, hapana, hapana. Kwa sa? Nini? C'est Dieu qui a voulu te ridiculiser. Ni Mungu alipenda kukushusha. On ne joue pas avec Dieu. Abateza kina Mungu. Soyez humble. Mwakwe batulifu. Mes frères. Banduku. Mes frères. Banduku. S'il y a un grand dictateur. Kama
C'est Dieu. Dieu veut s'élever, t'humilier. Il doit te rabaisser jusqu'à zéro. Soyez humble, mon frère. Quand Dieu te donne une petite grâce ou une petite bénédiction, n'essaye pas de voir les autres comme si non rien. Sois humble, ma fille. Ma fille, Dieu, on ne joue pas avec Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de qui? On ne se moque pas de Dieu. Mungu kama napende kukushusha. Hapa hakuna kitu. Dieu. Quand il te voit seulement, c'est moi. Si moi je ne suis pas là, ils ne vont rien faire. Si moi je ne suis pas là, ils ne feront rien. Tu te trompes, mon frère. Avec Dieu, nous ferons des choses. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, on fera des exploits. On peut nous ravir toutes choses. Mais si on a Dieu, on aura tout ce qu'on a perdu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit amen? Rabaissez-vous. Soyez humble. On n'a pas dit que quand Dieu t'a béni, que tu ne danses pas, que tu ne chantes pas, que tu ne cries pas, que tu ne t'agenues pas, que tu ne lèves pas la main. Non, mon frère. Qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Qui peut me séparer? De l'amour de Dieu. Est-ce les habits? Est-ce ma femme? Est-ce mon vécu? Est-ce la maison? Est-ce l'église? Jamais! 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 L'amour de Dieu, c'est plus que toute chose. Même si ma femme me laisse, j'aime Jésus. Même si mon mari m'abandonne, j'aime Jésus. Même si mes amis m'abandonnent, j'aime Jésus. Jésus, yes. C'est l'ami fidèle. Il a fait qui moi. Jésus, yes. C'est toute chose. Qui l'a quitté pour moi. Tu yango. Oh my. Oh là là. C'est pourquoi. Demain. Je l'ai toujours appelé. Namuitak. Le mari capable. Voilà, le plus beau. Mousuri. Entre 10 000 personnes. Fukumi. Pour mon âme. Le luxe de la voix. Voilà, la rose de Sharon. Le grand télévision. Alléluia. 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 La voix de Shekinah. Alléluia. Alléluia. Je vais gérer, je vais la faire, je vais royer, je vais subir. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Si fait quoi, mon Jésus, 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 c'est l'auteur de la rédemption. Je l'aime, ouais, je l'aime, je l'aime. Même si les gens m'abandonnent, je l'aime. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la pluie? Est-ce les habits? Est-ce les problèmes? Est-ce les enfants? J'aime Jésus. Plus que ma femme. J'aime Jésus. Plus que mon mari. J'aime Jésus. Plus que mon équipe. J'aime Jésus. Plus que mon travail. Je l'aime plus que mon travail. Plus que mon travail. Je l'aime. Plus que mon travail. Qui peut dire amen? Qui peut dire alléluia? Alléluia. Mon frère. Douyang. Que Jésus-Christ. Jésus-Christ. La parole. Nen. Soit le centre de ta vie. Ikuye chemu chemu ya maisha yako. Le centre de ta vie. Ikuye nkongoza maisha yako. Qui peut te séparer de Dieu? Nani atakwatanisha na Mungu? Mets-toi un peu. Ikala. Mets-toi un peu, mon frère. Ikala Douyang. Il y a des gens aujourd'hui. Kuko bantule. Quand l'argent lui termine, il laisse Dieu. Papa, Baba, nous nous aimons Dieu même si nous n'avons rien. Si tu n'empêches mon gâteau, na kito. Même si je dors affamé, attends, je l'aime dans mon cœur. Même au lit de l'hôpital, attends,
Je l'aime. Je vous l'ai dit. Il pende. Même s'il m'amène en enfer. Attends, il pende. Je l'aime. Je l'aime. Même en enfer. Attends, je l'aime. Mon frère, je suis dans un chemin de non-retour. Je ne retournerai sur un chemin de non-retour. Même s'il y a les injures, même s'il y a les critiques, même s'il n'y a pas de salaire, je vais le servir. Je l'aime, je sais. Je serai coupé. Je serai coupé. On me donnera le bouquet de fleurs. On dira qui est un vainqueur, qui a combattu un bon combat. Voici maintenant le couple de roues. Père réservé. Que quelqu'un dit amen. Que quelqu'un dit alléluia. Papa, papa, même si dans ce chemin, Dieu ne me donne pas les enfants. Je vais les mettre. Même si dans ce chemin, je marche à pied. Je vais les mettre. Seigneur, voilà. Même si tu dis que Josué, toute ta vie locataire, je dis à ta volonté, je suis soumis, je vais l'aimer. Que quelqu'un dit alléluia. Bénissez le nom du Seigneur. Bénissez le nom du Seigneur. Banduk. Nous nous sommes de ceux-là qui n'aiment pas Dieu par profit. Si tu crois que tu cattes mal et que tu prends d'amongo, bila bien yulu. À tout n'en a profit. À tout n'en a faïda. Nous sommes aveugles dans l'amour. Tu copies pas pour m'apprendre. Maman. Maman. Quand quelqu'un choisit une femme, wakati mtu anachakula bibi, c'est une fois pour toutes. Ni mala moja kwa lote. Atamu loji ni wake. Atamu iji ni wake. Atamu baye ni wake. Attends, mon secret est connu, j'aime Jésus pour du bon. Je l'aime pour du bon. C'est un chemin de non-retour. Mes yeux sont fixés sur lui. Je l'aime tant. Le bout de mon âme. Je l'aime tant. Le mari capable. L'ami des amis. L'ami de mon cœur. Quand les autres m'abandonnent, lui il vient. Je veux. Le soir, je suis avec toi. Tu vois ce qui t'ont acclamé, t'ont abandonné. Mais maintenant, moi je suis là. Il est de côté de celui qui nous abandonne pas. Que quelqu'un dit alléluia. Jésus, Yesu. Il est du côté des gens qui nous abandonnent pas. Mon frère, Duguyang. Les gens peuvent t'aimer aujourd'hui. Quand tu es encore d'ici, quand le chèque est terminé, ils ne vont pas t'aimer. Mais je connais un homme, même si tu manques le chèque, il va t'aimer. Il va t'aimer. Alléluia. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Alléluia. Mes frères, Banduk, aimons Jésus. Tu me prends, yes. Jésus, c'est la parole. Yes, c'est le message. Ni c'est pourquoi la femme de Philippe, elle a donné l'importance à l'âge que plus qu'à l'enfant. Oh, mes frères. Oh, Banduk. Que la parole ait l'importance. Nous, plus que ton travail. Nous, plus que ton salaire. Quand tu aimes la parole, tu ne mangeras pas la dîme de Dieu. Quand j'aime Jésus, est-ce que tu peux t'asseoir et je prêche? Quand tu aimes Dieu, wakati unampenda Mungu, tu ne peux pas voler la dîme de Dieu. Awezi kula chakumi ya Mungu. Tu ne voles parce que tu ne l'aimes pas. L'amour sans œuvre, ce n'est pas l'amour. Mapendo bila matendo, ina mapendo. Frère,
Banduku. Des fois je n'aime pas quelqu'un qui vient et dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mara mingi si pendaki mtu anakuya. Pastor nakupenda, nakupenda, nakupenda. Mais des fois j'aime quelqu'un qui fait le chèvre pour moi. Mara ingine napendaka mtu kunafanya matendo juu yangu. Même Juda ouvrait la bouche un gros mandibule disait Jésus je t'aime. Ata Yuda alifungula kinywa yake kinene kusema Yesu nakupenda. Mais à l'intérieur ce n'était pas ça. Lakini ndani yake ikukua bila alikuwa anasema. On a besoin de chèvre. Tuko na lazima matendo. Matendo. Le chèvre. Matendo. C'est pourquoi Branham dit. Jomo na nabia lesema. Le chèvre que j'ai fait. Matendo ni kunafanya. Rend témoignage de moi. Ina shuhudia kile niko. Donne-moi un amen. Letamina amen ndugu yangu. Donne-moi un grand alléluia. Letamina alléluia. Mon ami. Rafiki yangu. Des hommes de cette terre. Bantu ba hii dunia. Sont méchants. Ni babaya. L'homme peut te respecter quand tu as l'argent. Muto anaweza kukuheshimia wakati kuna makuta. Mais quand tu n'as pas l'argent. Wakati makuta inakwisha. Il te verra un papier. Ataanza kukubamba sawa vile karatasi. Mais je connais quelqu'un. Lakini najua mtu mmoja. Il est plus que les hommes de ce monde. Anapita watu wa ibulongo. Que tu aies l'argent ou pas. Wakati na makuta wala na makuta. Il te supporte. Anakuvumilia. Il t'aime. Anakupenda. Même dans la maladie. Hata magonjwa. Il est avec toi. Eko na wewe. Ami fidèle. Oh, je l'aime. Namupenda. Je l'aime. Namupenda. Tu peux dire je l'aime. Allez, kusema namupenda. Tu peux dire je l'aime. Namupenda. Tu peux dire aide-moi Seigneur. Bwana unisaidie. À marcher plus près de toi. Kutembea karibu na wewe. Aide-moi Seigneur. Bwana unisaidie Bwana. À marcher plus près de toi. Kutembea karibu na wewe. J'aime te sentir. Napenda kukusikia. J'aime être avec toi. Napenda kuwa na wewe. Tous les jours de ma vie. Kila siku ya maisha yangu. Les amours de ce monde sont vanité. Mapendo ya dunia ni ya bongo. Ma fille. Bintu wangu. Ton mari peut t'appeler chérie mais il a d'autres qui l'appellent chérie. Bwana yako anaweza kukuita bibi yangu lakini kuku bengine be kuna muita na yeye bwana yetu. Non non. Quand il t'appelle chérie là. Wakati anakuita bibi yangu. Il y a encore quelqu'un dont il appelle chérie. Kuku mwingine alisha kuweka pembeni kuna muita tena bibi yangu. Mais je connais un homme quand il m'aime c'est une fois pour toutes. Najua mtu kama ananipenda ni mara moja kwa lote. Même si on vient lui parler mal de moi. Atama na kwa kumonesha mibaya. Il dit je l'ai déjà choisi, je l'ai. Alisema mimi nisha kumpenda na mpenda. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana tu Yesu. Acclamez pour son nom. Rafika mikono kwa jina lake. Je parle de Jésus. Asema tu es Yesu. Qui est la parole révélée de ces jours. Mwenye kwa neno kufunuliwa siku ya leo. C'est comme une sœur me faisait rire. J'étais avec ma femme ensemble. Elle me disait, tu vois, papa, comme on a chiqué toi, on a ce qu'on a. Je t'aime chérie, ma bijou. Oh, ma bijou, anaongeza ongeza. Ni ma aveuglement. Pale, eku na kufinika kitambala kumacho. Donc, kumpembeni uko. Ya, 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 ya. Eku na kwa aveugle. J'ai dit, ah, c'est vrai. Dieu, ma stratégie, je sais quoi, c'est ça. C'est-à-dire quand l'homme te dit chérie. Kwakati bwana anakuwa chéri wangu. Beaucoup de bonbons là. Ma bonbon ya ta. Kumbini eko na mwavegle. Eko na jobar mwingine kumpembe. Yo, mnaona? Ba bwana ni ba strategie ba mingi. Eh, ba bwana bana biyo kucheza. J'ai toujours dit un homme qui n'a pas le Saint-Esprit est comme coronavirus. Mina semaka kila siku mtu la nakosa Roho Mtakatifu. Eko sawa vile magonjwa corona. Il est comme Covid, chaque jour c'est les cas qui augmentent. Kila siku ni bana mukibe kunaongezeka mbalabala yake. Il n'est pas stable aujourd'hui les ici demain. Leo yuko hapa, hein, kesho. C'est un chien dans son cœur. Il n'est pas satisfait. Yeni imbwa, ni imbwa. Et dit aussi amen à ça. Eh ba ndugu simseme amina. Si tu n'es pas un gourmand, dis amen à toi. On a des gourmands dans l'esprit. Tuko na bantu ba nkuria mingi sana hapa. Mon frère, si toi tu savais que Dieu t'a choisi pour avoir une jolie femme, mais choisis une jolie femme, mais pourquoi rien de calocote qui fait? Où est le nanza kwangaïk? Ah, roi bambe. Dieu t'avait, toi. Oui. Frère Branham parle aussi des critères, mon pasteur. Nabia la semeya, juya ali, il est ma kanunu na ida fan. Branham parle des critères. Ma critère, ma kanunu yako. Très bien. Bonjour. Maintenant, Frère Branham dit. Nabia la sema.
Avant de choisir une femme, tu as les critères. Vous êtes avec moi. Même si tu as choisi une femme qui a le Saint-Esprit, mais qu'il soit de tes critères. Papa, Baba yang, si tu grandissais avec l'image d'une femme noire, kama ulikuwa na sura ya mwanamke mweusi, et que tu as marié une bronzée, na unaoa mwanamke kumeremeta, sache que tu ne seras pas satisfait. Jua kusema mumacha yako utakuwa wae. Surtout si tu n'as pas le Saint-Esprit. Na zaidi kama unaoa mtakatifu. Même si vous vous fâchez, ce que j'ai dit sur d'autres ici disent que c'est la vérité. Attends, mon chérie, quand l'engin va la semaine quelle. Parce que Mouroya, tu n'es pas satisfait. Hein? Aurizi qui a furai. T'as vu ça? Ni moyen, mais je suis peiné d'attendre. Ah, koto la tout. Parce que ou quoi, n'a qu'à image. Vous êtes avec moi? Cette petite image. Moi ici quand je vais me bronzé. Ah, moi kunda. Et aujourd'hui Dieu t'a donné. Na siku ya leo Mungu anakupa un. Mais elle a le Saint-Esprit plein. Lakini Roho Mtakatifu unavyoenda chini. Maintenant toi tu n'as pas le Saint-Esprit. Sasa wewe una Roho Mtakatifu? Utete suda wa benye ule sana. Dad, banakuo kwa acteur wa film. Mwenyewe mwenye film. Atakuwa na makode na pabul. Eh, telefono na bamba hivi leo ni hii kesho nyingine. Code na mapeni. Ka. Tina maka mapeni peku code, ma message code, WhatsApp code, tu code. Mais tu vis avec une personne méchante. Okuna ishi na bwana mwa mbaya sana. Tu vis avec un méchant. Okuna ishi na bwana mbaya. Code partout. Code na penye pa kuingilia tu. S'il tombe malade, il faut qu'on appelle sa grand-mère qu'elle vienne ouvrir les codes. Kama anguka mgonjwa, inapaswa baiti kambu yake akuyafungule. Toi tu n'as pas droit de toucher le téléphone. Wewe kubamba telefone yake bongo. La première chose quand il commence à sentir qu'il est malade. Kitu ke kwanza kama nasikia alikuwa mgonjwa. Il efface tout dans le corps. Anazima biote. Anaweka zero. Et il prend, il te donne, il dit allez. Gana beba téléphone, beba, beba, beba. Aussi tu dis le même beaucoup. Na wewe unasema na nipenda sana. C'est la vie d'hypocrisie. Ni maisha bunafiki. C'est l'hypocrisie. Ni bunafiki banduku. Maintenant quand tu viens, tu peux dire dans la chair humaine, il peut même prendre les baffles si il jette en l'air. Anaweza lokota ibaffle ile ni tupa chini na kuipokelea tena. Que Dieu la commence d'abord en toi. Mungu ule ndani mwile binadamu anzie roho yako. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Topika mikono kwa ajili ya Yesu Kristo. Merci. C'est juste un message de revoir. Ni ujumbe kumilaka nayo. Frère Branham dit. Na bien le Seigneur. Vous devez devenir petit avant de devenir grand. Mwaya munapasha mbele kujishusha mbele kuya banene. Pour être grand. Kwa ajili kuya mtu munene. Soyez d'abord petit. Ukuya mbele mtoto. Sois capable de s'humilier. Kuya na wasaji kujishusha. Prier. Kuomba. De s'abandonner devant Dieu. Kujata mikono Mungu. D'être quelqu'un capable de jeûner. Kuya mtu akufunga. Aujourd'hui dans les messages. Si quoi aller mon jumbe. On a des frères qui disent Branham a déjà jeûné pour nous. Tukuna banduku banasema ka Branham ishaka kutufungia pa fasi yetu. C'est la paresse. Ile ni bulofa. Branham a cherché Dieu, toi aussi tu dois chercher. Branham alitafuta Mungu na watafuta Mungu. Branham a vécu sa vie. Branham alishi maisha yake. Toi aussi tu dois vivre. Na wala pasa kuishi maisha yako. Avec Dieu. Pamoja na Mungu. Acclamons pour le Seigneur. Topika mikono kwa ajili ya Bwana. Branham dit. Na bien nasema. Vous ne serez jamais grand par vous-même. Mwaye amuta kuyaka bakuba kupita mwe mwenyewe. Auta kuyaka munene. Pa wewe mwenyewe. Il fallait mtu akufanye munene. Alleluia. Branham dit. Na bien nasema. Vous ne serez jamais grand par vous-même. Amuta kuyaka bakuba kupita mwe mwenyewe. Vous serez seulement autant grand
quand Dieu le sera en vous. Voilà pourquoi ce soir, recevez l'Esprit de Dieu et soyez grand. Épanouissez-vous. Mon ennemi. Installez-vous. Quand tu habites en toi, tu es grand. Père Branham dit, une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, même s'il a beaucoup d'âge, c'est un petit. Et quelqu'un qui a le Saint-Esprit, même s'il a un petit âge, c'est un grand. On est grand. Quand le Dieu grand habite en nous, wakati Mungu mwenye na kalantanieto, grand Dieu, wakati Mungu mwenye, habite dans ton cœur, ale kala muro yako, tu es grand, bali kumunene. Amen. Amen. Est-ce que ce soir je prêche à des grandes personnes? Que Dieu vous bénisse richement. Par notre Seigneur. Écoutez ce que les prophètes disent. C'est très important. Quand le Dieu grand habite en vous, vous devenez grand. Ainsi, Lucifer est aujourd'hui sur la terre. Lucifer s'efforçant d'œuvrer dans l'église pour accomplir le dessein qu'il avait commencé avant la fondation du monde. Mukufanya nguvu yake yote kufanya ile kazi yenyewe alikuwa nayo mbele msinga mwangu ifanyike. Lucifer a été chassé du ciel. Lucifer bali mwandama ku mbingu. Frère Branham dit. Nabii atalesema. Lucifer ce n'est pas un mauvais nom. Lucifer ile njina mbaya. C'est un bon nom. Ni njina mzuri. Mais c'est les œuvres de Lucifer. Lakini ni makazi ya Lucifer. Qui a mené son nom mauvais. Inafanya jina yake Lucifer, il était un enfant chéri de Dieu. Alikuwa mtoto mpendelevu wa Mungu. Au ciel, kombingu. Après Dieu, c'était Lucifer. Kisha Mungu alikuwa ni Lucifer. Il était l'ange de lumière. Alikuwa malaika mwangaza. L'ange d'adoration. Malaika kuabudu. Il était aux commandes. Alikuwa anaongoza. Na nama voa plus loin. Na bien entendu. Il dit que c'est Lucifer. Anastoma ni Lucifer. Qui entonnait les cantiques. Alikuwa anatumaka mimba kombingu. Il donnait aussi la lumière. Na alikuwa analeta mwangaza. Vie, que toute l'adoration retourne à Dieu. Il a senti la jalousie. Il a senti la haine. Il a dit, il faut aussi qu'on chante de moi. Je voulais dire à quelqu'un, quand quelqu'un veut prendre la place de l'autre, c'est un démon qui habite en lui. Soyez à votre place. N'enviez pas la place de l'autre. Ce qui tue les gens, c'est vouloir envier la place de quelqu'un. Tu me vas au mariage. Tu ne sais pas ce que je traverse. Mais tu m'envies. Mais tu ne sais pas ce que je traverse. Ah, où Dieu m'a échoué, qu'on a tes soins. Sois là où Dieu t'a permis que tu sois. Qui a pas le bon goût de connaître ce couillé. Moi, dans ce mariage, ni Mwindo, je supporte les choses. Ni qu'on a fumé les membres. Que toi, peut-être, tu ne supportes pas. Ça, t'as dit, ouais, t'as fumé les membres. Sois l'endroit où Dieu t'a mis. Qui a fait ce bon goût de quoi. N'envie pas la place de quelqu'un. Ah, pas le coup de ta main, ne fasse mon guillé. Si tu m'écoutes, dis amen. Ah, mon ami, c'est ma mina. Amen. Amen. Qui m'a vu réussir dans la vie. Unaniona naweza maisha. J'ai des sacrifices que j'ai fait que toi tu ne feras pas. Kuko mambo nilifanya yenye wewe utawezaka kufanya. Il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Hakuna kupandishwa kama ujitombe ya Mungu. Ma fille, mtoto wangu, les frères que tu vas rouler ou avec des véhicules là. Ndugu ile kunaona leo kuna mmetoka. Peut-être l'a vendu sous le soleil. Sa dengile alikuwa anauzisha chini ya jua. Il l'a vendu. Aliuzisha pale. C'est un sacrifice. Alikuwa ni kujitoa. Quand il le vendait là. Wakati alikuwa anauzisha mpe wa le voit. Baba yako kumbigwa kule mwana. Grand Dieu le voit. Mungu mnene na mwana. Je ne bénis pas un lâche. Mungu asibariki mseto. Je ne bénis pas un frère. Mungu asibariki ake Mungu. Je bénis. Mungu la pari encourage. Toi bidii. Mais toi tu es là. Wewe uko pale. Une vie facile. Maisha teketeke. Tu aimes seulement la vie facile. Unapenda maisha teketeke. Tu aimes que tu trouves tout OK. Unapenda ukute byote bilichatarishwa. Mon frère. Ndugu yangu. Il faut souffrir. Unapasha teso. Pour régner. Kwa ajili utawale.
pour régner, kwa ajili ya kutawala, il faut souffrir. On a pas sa tête sur mbele. Qui dit amen à ça? Nani kusema mina? Des fois quand je vois des gens venir, mais pasteur, donnez-nous l'argent. Oh pasteur, utupi makuta. Oh utupi makuta. Mungu aisha kukubariki we. Mais j'ai fait des sacrifices pour être ce que je suis. Lakini nilijitoa kwa ajili nikuye kile niko leo. Je vais vous dire une chose mes frères. Nitamionyesha jambo moja. Pour que tu quittes chez toi, tu viennes ici. Mbele utoke kwa kufike hapa. Peut-être que j'ai dormi par terre. Sasa ingine nililala chini pa bulongo. Seigneur. Bwana. C'est toi le grand évangéliste. We ndio mpasha habari njema mkubwa. Je n'ai pas l'argent d'aller à la télévision. Sina na makuta kwenda ku television. Tu vas toucher les gens. Wewe wende kusamia ya bangi. Et Dieu t'a touché. Na Mungu anakugusa. Tu es ici. Uko hapa. Personne ne peut pas t'éloigner de moi. Hakuna mtu atakupeleka mbali na mimi. C'est ma prière qui t'a touché. Ni maombi yangu nikugusa. Tu es venu sous mon ministère. Na wana kuya chini tu mwangu. Je te dis mon frère. Personne ne t'éloignera de moi. Hakuna mtu atakutenga na mimi. Même si quelqu'un dit non. Oh, il faut qu'on le sépare avec Josué. Ashita wezi, huku nenu na mponyo kuna kuhi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? On a pika mikono kwa ajili ya Yesu. Il ne sera pas. Ashita wezaka. Car je t'ai appelé par la prière. Kwa sababu nilikuita kupitia maombi. Par des sacrifices. Kupitia kujitoa. Par des genoux. Kupitia magoti. Par des jeûnes. Kupitia mafungo. J'ai dormi affamé. Nilikuwa nalala njaa. Pour que Dieu me donne une église. Kusudi Mungu anipe kanisa. Comme toi. Sawa we. Et tu es là. Na wako pale. Je voulais te dire ce soir. Nilipenda kukonesa. Devant Dieu. Mbele ya Mungu. Devant tout le monde. Mbele ya bantu bote. Tu es la réponse à ma prière. Wako ajibu maombi yangu. Alléluia. Tu ne m'as pas bien écouté. Ah, oui, sikia. Je voulais le dire. Il peine seul. Devant Dieu. Belle à Mungu. Devant tout le monde. Belle à Bantu. Tu es l'exaucement de ma prière. Uko majibu maombi yangu. Tu es la réponse à ma prière. Uko majibu maombi yangu. Il n'y a personne. Hakuna mtu. Qui t'éloignera de moi. Atakupeleka mbali. Il n'y a personne. Asinako. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous aimez ce que je prêche? Et tu me n'appendes les couronnes. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Repique mes couronnes pour dire à Jésus Christ. Est-ce que je peux aussi être une réponse à ta prière? Et tu n'as pas couru tu pour mon bien. Si je suis la réponse à ta prière. Acclamez continue pour mon bien. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Repique mes couronnes pour dire à Jésus Christ. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi ajouter quelque chose. Je me dirige presque jusqu'à la fin. Peut-être en 20 minutes, je vais arrêter. Dans la prédication qu'il dit, regarde. Il a prêché en 83. Il a prêché plutôt en 63. 63. Au point 83. Suivez-moi. Moni fat. Frère Branham dit. Nabia sem. Quand un homme confesse ses péchés. Kama muto anatubu zambi yake. Et se met en ordre avec Dieu. Na anajiweka musawa na Mungu. Dieu jette ses péchés confessés dans le sang. Mungu anatupa zambi yake ile litubu mudamu yake. Si tu dis amen, tes péchés sont jetés. Kama unasema amen, mazambi yako inatupia mudamu. Je dis aussi amen pour toi. Nasema amen juu yako. Tes péchés sont jetés. Mazambi yako inatupia mudamu. Branham dit. Na bien nasema. Dieu jette ses péchés dans le sang. Mungu anatupa zambi yake mudamu. Son propre sang. Damu ya yeye mwenyewe Mungu. Et il pardonne ses péchés. Branham dit. Et il replace dans cet homme-là l'esprit original qui devait être là. Tu peux dire alléluia. Branham dit. Son propre esprit faisant de lui un fils de Dieu. À combien plus forte raison la puissance créatrice de Dieu devait se retrouver dans l'église. Quand vous confessez votre péché, Dieu prend tes péchés, il les jette dans son sang et devant Dieu qui n'a jamais péché. Même si le monde reste avec l'image, mais Dieu n'a pas l'image de ton péché. Il a déjà oublié. Et Branham dit, et une fois qu'il oublie, il
prend la puissance créatrice. Il met en toi. La puissance créatrice. C'est celle qui a créé le ciel et la terre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi. Voyez. Si cette puissance créatrice est en vous. Cela peut écouler chaque mur du péché. Il est en goût ça qui m'embâche quatre casames. Cela peut l'écouler. Il est en goût ça qui m'embâche casames. Qui peut dire amen. Alors que c'est le mina. Branham dit. La belle sème. Aujourd'hui. Léo. Les gens essaient de dire. Bantoua qu'on a pu me coucher. Sont ces paroles. Imanino. Ces était pour un autre âge dans le passé. C'est le cas. Si vous êtes toujours en dehors de ce sang. Mais. Lakini, si vous êtes sous le sang. La puissance de Dieu. Par sa parole. Demeure la même. La puissance de Dieu. Par la parole. Demeure la même. Je voulais dire à quelqu'un. Dieu n'a jamais changé sa puissance. Il est toujours le même. La puissance de Dieu n'a jamais changé. Oh, je voulais dire à quelqu'un. La puissance de Dieu n'a jamais changé. Les hommes peuvent changer. Mais Dieu ne changera jamais. Il peut changer de forme. Il peut changer de visage. Il est toujours le même. Avec la même puissance. Amen. Amen. Frère Branham dit. N'a bien le sème. Absolument. Quoi quel? S'il a pu faire. Comment il was a fan? Cela. Il est. Avec le sang de brebis. Pas moi de la dame ma condo. Et des animaux. N'a y'a ben yam. Quand sera-t-il avec le sang de Jésus-Christ? Pita kouya de la dame ya Yesu. Si le sang d'une bête. Comment dame ya yam? Couvert Moïse. Il y a une confinée Moussa. Moïse parle. Moussa nasem. Les grenouilles se créent. Ça, ça biura bina umpiwa. Moïse parle. Moussa nasem. Les mouches viennent. Maïs inakuya. Si le sang des bêtes. Kama damu ya nyama. Peut appeler à l'existence. Il est à kuita bina bikonaïs. Les mouches et les grenouilles. Maïs inamabiura. Branham. Qu'en est-il du sang de Jésus? Le sang de Jésus sera plus que ça. Alléluia. 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 Si le sang pète, peut changer l'eau mai en sang. Madame. À combien plus forte raison? Nibinga pibiri tafanika. Le sang de Jésus-Christ. Damu ya yes. Branham dit. Na bela sem. La puissance de Dieu demeure la même. Nguvu ya Mungu na bakeli mpaka ile ile. Ce matin. Ata suya leo. Je voulais dire à quel. Ne le penda kola samut. La puissance de Dieu. Nguvu ya Mungu. Demeure toujours la même. Nemo paka ile ile. Est-ce que vous le croyez? Et tu naamini. Croyez-vous que la puissance de Dieu demeure la même? Mon amini nguvu ya Mungu ni mpaka ile. Vous savez, mon Natua Bibi Angou Nimshuda. Un frère m'a appelé, un pentecôtiste. Mon pentamonde Alinita. Il m'a appelé à Kolesi. Alinita Kolesi. Il m'a dit. Alinionos. C'est sa femme qui m'a appelé. Bibi Akinjo Alinita. Il a dit mon mari, on lui a un peu frappé les capopo. On a semé bon angou, on a m'toupé à capopo. C'était, il s'est disputé un peu d'une mine de carrière. Parce que c'est un grand homme d'affaires. Et je vous dis, on l'a frappé cette histoire. Le menton ici Imbanga est devenu comme ça. Il a vu un pack up. Et les dents. Imen. Les canines ici. Sasa imen. Sont sortis. Ina toka toka savili na wata usabu yok. Comme un chien. Sawa imba. Alors. Sas. Il n'avalait même pas le salive. Asikuanza ta kumena mate yake. Il fallait. Il pêche. Qu'on prenne la bouillie pour qu'il se fasse.
qu'on ouvre la bouche pour qu'il mange. Je vous dis, le diable a des choses. C'est un sauvage. Un grand homme. Qui a devenu et devenu. Mais la tête est devenue comme ça. La on appelait un féticheur. Balita muto matao. Par sa famille. Kupita jamayak. Il a essayé. Ali pima kutunza. A échoué. Ali shindo. Plus il essayait. Zaidi alikuwa na pima kutunza. Plus la douleur augmentait. Zaidi maumivu yalikuwa yanaongezeka. Sa femme s'est rappelé qu'il y a un homme à Lubumbashi. Bibi yake akakumbuka kuko mtu mwa Lubumbashi. Il a pris son numéro. Ali beba namba yangu. Il m'a appelé. Akanipigia simu. Je les ai dit. Nilimwambia. Appelez-moi le soir. Monite mangaribi. Parce que je pars à l'église. Kwa maana naenda kumisa. Quand j'ai fini la prédication. Le soir, ils m'ont appelé. Mangaribi alinita. Je les ai dit. Maintenant, là où vous êtes, mettez-lui le téléphone. Mouweke téléphone. Et imposez-lui les mains. Je vais prier. Nitamba. J'ai fait une prière de 5 minutes. Après, Dieu m'a dit quelque chose qu'il devait faire. Kisha Mungu alinionyesha mambo alipaswa fanya. Et je les ai dit de faire la chose. Ce soir, la nuit, ma femme est témoin. Mangaribi jana, mangaribi biyangu ni mshuhuda. La même personne m'a appelé. Il y a un Dieu formidable. Dieu du ciel est témoin. J'avais mis le téléphone en main libre. Pour que mon épouse écoute ça. Pour qu'elle soit témoin aussi. L'homme me dit. Et sa femme. La chose a disparu. Même celui qui a frappé ça. Il est en train de s'étonner. Ils sont allés chez quel féticheur. Le Dieu de Branham est puissant. Il est puissant. C'est un Dieu formidable. Jésus. Oh yes. La Bible dit. Bible notre Dieu est terrible dans l'assemblée des saints. Un Dieu terrible. Il fait des choses terribles. Même ce soir. Il peut faire des terribles choses. Alléluia. Le Dieu de Branham. Mon Dieu Branham. Il ne fait pas de petites choses. Écoutez. Sikir. Moi je n'adore pas Dieu dans des petits témoignages. Mais les choses que mes desseins peuvent faire. Ça je ne vois rien. J'aime ce que les médecins échouent. Ce que les médecins échouent. C'est là que Dieu peut faire. Notre Dieu. Il agit dans des moments inattendus. Il fait des terribles choses. Quelle puissance qui peut faire disparaître un menton gonflé. Il n'y a que Dieu par la prière qui peut faire ça. Même ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si le sang des brebis peut créer, il n'est-il du sang de Jésus? Ce matin, je suis sous le précieux sang. Le message de la parole faite de Dieu, je peux créer par la parole. Si vous croyez, je crée l'atmosphère. Un chrétien c'est un créateur. Mon Christ ni mon père joie wa. Un miniateur. Mon père qui donc. On crée là où Dieu. Tunaomba pale Mungu. Amen. Amen. Là où Dieu a créé incomplet. Pale Mungu aliumba vitu vikwaniano. Nous nous parlons la chose secrète. Si tunasema na kitu kinafanyika. Na bien le sang. Dans cet âge. Mwikizes. Même les membres manquants. Atabi Mungu bilikosa. Peut pousser. Pineza kutoka. Branham dit.
Même si tu manques quelque chose, la parole peut créer. Croyez-vous cela? Mon ami, croyez-vous cela? Mon ami, j'appelle le même Dieu. Naïta Mungumo qui a fait disparaître les cas popos. Ali potèche les cas popos. Qu'il fasse disparaître. A potèche. C'est démon qui est devant toi. Démon le compère les yaku. Si tu dis amen. Ami la sème mine. C'est la même onction. Ni pas comme eux. C'est le même Dieu. Ni Mungumo. C'est la même puissance. Ni Wesama. J'ai fait disparaître. Na potèche. Tout Égyptien. Ma mise liberté. Qui est dans ta maison. Mais comme une bête. Je le fais disparaître. Na la potèche. Mais Dieu est capable, mes frères. Mongo le message. Mai. Oh là là. Écoutez un peu ce que Frère Banamé. Moi, c'est qui est le bien ensemble. Mai. Oh là là. Dantenez-vous tranquille. Mouba qui est qui mien. Frère Banamé, dis ceci. Nabi Ota la sème. C'est l'avant-dernière écriture. Ni andiko karibu na mwishi. Faites tellement chaud, je termine. Koko qui faut que tu sens. C'est l'avant-dernière écriture. Andiko karibu na mwishi. Frère Banamé, dis ceci. Nabi la sème. Quand Bartimée a appelé Jésus. Wakati ki pofu Bartimée mwita yes. Fils de David. Mwana wa Daudi. Et pitié de moi. Unione buluma. Branham dit. Nabele sema. Jésus s'est arrêté pile. Yesu alibakia bwima. La foi de Bartimée. Imane ki pofu Bartimée. A arrêté Jésus. Ili musimamisha yes. Branham dit. Nabele sema. Jésus s'est tenu tranquille et a dit. Yesu alisimama kimya na kusema. Amenez-le ici. Mumulete hapa. Écoutez-moi. Munisikie. Quand ce pauvre mendiant. Wakati huyu maskini kulambalamba. Était en cours de route. Alikuwa mbalabala. En train de crier. Mukulalamika. Fils de David. Mwana Daudi. Et pitié de moi. Unione buluma. Fils de David. Mwana Daudi. Et pitié de moi. Unione buluma. Les gens qui étaient autour de Bartimée. Bantu alikuwa pembeni Bartimayo. Lui faisaient fermer la bouche. Balikuwa mfungisha kinywa. Lui disant. Kumuonesha. Ferme la bouche. Funga kinywa yako. Tu déranges les maîtres. Ukunangaisha. Mais quand son cri a touché Jésus, wakati la lamiko yake limgusa Yesu, Jésus n'a pas cherché les gens du dehors. Yesu asikutafuta bantu ba nje. Il a dit seulement ceux-là qui le critiquaient là. Alionesha mpaka baba kwa mshimango. Amenele ici. Mumulete kipofu Bartimayo hapa. Je voulais dire à une sœur. Nilipenda kwa sadada. Ton témoignage sortira dans le cas de ceux qui te critiquent. Ushuda yako itatoka mpaka pale. Bekule kushimango. Ceux qui vont amener ton témoignage. Ni bonjo bataleta shuda yako. Ceux qui vont te soutenir. Ni baba atakusaidia. Pour dire. Kwa ajili kusema. Nous le connaissons. Tunamjua. On connaît comment il a souffert. Tunajua vile alitesa. On connaît. Tunajua. Comment il a combattu. Vile alikombana. Lakini. Son Dieu est vivant. Mungu akili mzima. Je voulais. Na peine. Que tes ennemis disent. Badui ba kubasema. Son Dieu est vivant. Mungu akili wa kweli. Nous connaissons. Tunajua. Comment il a souffert. Vile alitesa. Comment il a souffert. Vile alitesa. Comment. Vile. Les choses étaient difficiles. Bitu bilikuwa nguvu. Mais. Lakini. Celui-ci. Huyo. Il a un Dieu vivant. Eku na Mungu mzima. Branham dit. Na biara sema. Jésus a dit. Yesu alisema. Amenez-le ici. Mumulete hapa. C'est seulement les gens qui le disaient. Nimo paka bantu alikuwa na monesha. Nyamasha. Nyamasha. Je dis ce sont ces gens-là. Na sema ni bale bantu. Qui vont témoigner. Bale batashuhudia juu yako. Ils vont te servir de témoignage. Batakusaidia shuhuda. Hallelujah. Hallelujah. Frère Branham dit. Nabia sema. On lui a mené les mendiants. Bali muleta ole kipofu kulambalamba. Sa foi. Imani yake. Avait arrêté le fils de Dieu. Il isimamisha mtoto wa Mungu. Et la foi de Bartimée. Na imani ya kipofu Bartimayo. L'avait amené à s'arrêter net. Yo ilimupeleka Yesu asimame bwima. La foi de Bartimée. Imani Bartimayo. A fait que Jésus n'avance ni ne recule. Ilifanya Yesu asiende mbele wala kurudia kumkongo. Ce soir. Caribe. J'aime que ta foi puisse faire arrêter Dieu. Islamisha Mungu. Qui ne bouge pas. Asitenke. Qui ne recule pas. Asirudie kumkongo. Ce qui te donne la solution. Mwapako akata kupe jibu. Qui dit amen à ça. Nani kusema mina. Branham dit. Branham nasema. La foi de Bartimée. Imani Bartimayo. La fait arrêter net.
ilimusimamisha Yesu bwimu. Branham dit, Nabi asema, Jésus s'est arrêté pile. Yesu alisimama bila kutanka. Oh my my my. Oh la 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 la. Branham dit, Nabi asema, voici ce que je déclare ce soir. Mwale kilimi lasema suya leo. Peu importe qui vous êtes, Atawa Konan, où c'est que votre nom, Wala Jinaku Konan, même si tu es Igabod, Atakamana Otokufu, Ranamdi, Nabiala Sem, combien vous êtes pauvres, Malengapuku Maskini, ou à quel point vous êtes tombés, Wala Bingapuli Anguka, ce soir, Mankaribi, votre foi, Imenirako, amènera Dieu, Itam Sukumung, à s'arrêter net, à Shimame Bouima, à entendre votre emblème, à Sikiala Labikoyako. Même si tu es tombé, Atakamu lianguka, même si Atakamu, le diable t'a fait faire ce que tu n'aimais pas, Shetani likufanyisha bitu kwa la penda kufanya, mais par la parole kupitia neno, ta foi peut arrêter Dieu. Imani yako inaweza simamisha Mungu. Est-ce que quelqu'un dit amen? Yeye tunaweza simamina. Branham dit, Branham anasema, tenez-vous tranquille, mubaki kimya, et sachez que je suis Dieu. Na mujue kusema ni kwa Mungu. N'écoutez pas les grogouillements du monde, musisikie makelele ya dunia. Amen. Amen. N'écoutez pas les bruits du monde extérieur. Ce genre de choses. Tenez-vous tranquille. Et sachez que je suis Dieu. Alléluia. Alléluia. Branham dit, cela l'avait amené à s'arrêter. On lui a amené par Timée. Et il a dit, que veux-tu que je fasse? Que quelqu'un dit alléluia. Si Dieu la foi de Bartimaï a arrêté Jésus, il ce soir, Léa Soumoué, votre foi peut l'amener là où tu es. Est-ce que vous croyez? Il n'est pas seulement le Dieu de près, il est aussi le Dieu de loin. Même pendant que je prêche, même si j'ai dit un mot, ton serviteur sera guéri. Un mot seulement, cet enfant sera guéri. Un mot seulement, ce marchandise sera acheté. Un mot seulement, la situation doit changer. Amen. Amen. Oui, c'est vrai, Seigneur. Est-ce que vous croyez à la parole parlée? Est-ce que vous croyez? Écoutez, pourquoi Bartimée a arrêté Jésus? Pourquoi? Vous savez, c'est parce qu'il avait lu dans la Bible un homme qui avait arrêté le soleil. Alléluia! Alléluia! Bartimée avait écouté. Bartimée a réussi. On lui avait dit. Balimonesha. Josué. Yeshua. Avait arrêté le soleil. C'est pourquoi il est allé se mettre à Jéricho. Et c'était à Jéricho que le soleil a été arrêté. Et Bartimée s'est dit, si Josué, sous le sang des bêtes, il a arrêté le soleil, moi aussi Bartimée, le sang des animaux, je dois arrêter le soleil. Parce que du temps de Bartimée, Jésus n'était pas encore allé à la croix. Bartimée était sous le sang des bêtes. Amen. Amen. Il a dit, Akasem, si un homme arrêtait le soleil, maintenant, sasa, moi je ferai plus que ce que Josué a fait. Josué, Joshua, il a arrêté la créature. Moi je dois arrêter le créateur. Ce soir, arrête aussi le créateur. Arrête la maladie. Arrête la souffrance. Arrête la mort. Arrête la paix. Tout est possible. Nous sommes dans l'âge d'arrêter.
Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans l'âge d'arrêter. Tout comme Kizaza a kusimamisha. Frère Branham dit. N'a bien la sème. Si toi tu n'es pas fort d'arrêter. Kama wana nanguva kusimamisha. Appelle la police du ciel. Ita police akumbingu. Le Saint-Esprit. Rentagatif. Il ira arrêter pour toi. Ataenda kusimamisha juu yako. Pendant que je prêche. Wakati ni kunaambia. J'envoie le Saint-Esprit. Na rentagatif. Qu'il arrête ce qu'on t'a volé. Akabambe bibi bali kuipa. Si tu dis amen. Il doit te les donner. Dans 24 heures. La chose sera récupérée. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Yesu. Est-ce que quelqu'un peut dire j'arrête la maladie? J'arrête la souffrance. J'arrête la mort. J'arrête les difficultés. J'arrête les difficultés. Nous sommes dans l'âge d'arrêter. Tout comme Kizaza kusimamisha. On arrête. Tout na simamisha. Est-ce que tu peux arrêter? On osa simamisha. Un jour. Si comment? On amène une sœur. Bah le mon frère Branham. Belle nabi. Et cette sœur était en train de mourir. Ole tata le taka kufa. Frère Branham dit. Na bela sem. Maintenant. Ses. Je m'oppose. Mie na jiweka. Entre la mort et cette femme. Katikati ya lufu na mwanamke. Je me tiens au milieu. Na simama katikati. Pour intercaler. Kwa ajili ya kusimamisha. Cette mort. Ululufu. Ce soir. Mangaribi. Je me tiens aussi au milieu. Na mimi na simama katikati. Pour intercaler. Kwa ajili ya kusimamisha. Cette mauvaise nouvelle. Ile pari mupayo. Qui est en train de venir dans ta maison. Ile tunakuya mukinja yako. Je l'interdis. Na simamisha. D'entrer chez toi. Si tu dis amen, amen, ça traverse. Amen. Comme tu as dit amen, amen, ça traverse. Qu'il soit comme une balle emportée. Par les voix. J'ai le pouvoir encore. Sous cette onction. Je déclare. J'intercale. Nasimamisha cette mauvaise nouvelle. Abari mubaya qui veut arriver là. Il pende à kukufikia. Sir, dada, il y a une mauvaise nouvelle. Kuku abari mubaya que Satan prépare pour toi. Satan alikuwa anatarisha juu yako. Qui doit te déséquilibrer. Wewe utachoka mwimani. Mais Dieu m'a dit. Mungu ananionyesha. Arrêtez cela. Nisimamishe. Au nom de l'onction. Continue pako. J'arrête cette maladie. Nasimamisha. Si tu dis amen. Kama nasimamina. J'arrête. Merci le Misha. Que ça retourne à l'esprit du terre. Il nous dit comment il est tout mal. Que ça retourne à l'esprit du terre. Il m'a redit la lituma. Que ça retourne à l'esprit du terre. Il m'a redit la lituma. J'arrête cette mauvaise affaire. Merci le Misha, Barry, mon père. Amen. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Nous sommes dans l'âge d'arrêter. Tout comme Kizaza kusimamisha. Pendant que je prêche ici. Sous cette onction. China yupako. Je peux t'amener à arrêter celui qui dérange ta vie. Mie naweza kukusukuma usimamishe ule kunaharibisha maisha yako. Si tu dis amen trois fois. Kama unasema mimi mara tatu. Cette onction doit le toucher. Ile upako itamupamba. Il sera arrêté. Na yeye atabambiwa. Oui. Dieu. Branham dit. N'a bien le sem. L'ange du Seigneur. Malakwa bwana. C'est la police du ciel. Ni police ya mbingu. On peut l'envoyer. Tunaweza mutuma. Quand on a volé le véhicule d'un frère. Wakati aliiba mtoka ndugu avance. Branham tabera. Kwa Branham maskani. Il a envoyé le Saint-Esprit. Alituma l'antagatif. Le Saint-Esprit. L'antagatif. A quitté en Branham. Il toka ndani Branham. Il est allé. Na lien. Arrêtez le voleur. Kwa bamba mwizi. Même ce soir. Attention. J'envoie le Saint-Esprit. Na tuma l'antagatif. Il arrête. Asimamishe. Il arrête. Asimamishe. Ce voleur. Ule mwizi. Il arrête. Asimamishe. Ce souffrant. Il m'atteste. Si tu dis libre, tu seras libre. Kama unasema huru utabakia huru. Si tu dis je suis libéré, tu seras libéré. Kama unasema niko huru utabakia huru. Branham dit. Branham anasema. Cette colonne de feu n'a jamais quitté l'église. Inguza moto yatokaka kanisa. Même pendant que je prêche. Na wakati ni kunahubiri. Elle est ici. Iko tayari. Elle est là. Iko hapa nguza moto. Je termine avec ça. Nashale andiko. Parle à cette montagne. Sema kwa kilima. Je termine avec ça. Namaliza pale. Est-ce qu'on peut provoquer Dieu?
tunaweza chokoza Mungu. Alors que je ferme mon ordinateur. Wakati nafunga ordinateur yangu. Parle à cette montagne. Sema kwa kilima. Ça c'est pour les aigles. Ili kwa ajili ya mantai. Si vous croyez ça. Kama mnaamini. Je vous connecte. Nami chomeka. Ça je connecte quelqu'un. Ili kuna chomeka naye mtu moya. Écoutez frère Branham. Tumusikie nabii. Je crois que naamini kwamba l'église du Dieu vivant kanisa Mungu mzima est maintenant en train d'arriver iko nafika sasa dans une sphère muki wangu moyo qui va secouer le monde entier itatingiza dunia mzima. Je crois que ce frère arrive maintenant à un niveau où il doit secouer le monde. Ce soir, ceux qui t'ont secoué, c'est toi qui dois les secouer. Si tu dis amen, reçois la puissance. Oh, gloire à Dieu. S'il y avait un démon qui a secoué ta famille, c'est toi qui dois les secouer. Reçois les pouvoirs. Ce pouvoir de secouer se trouve dans le message. Je te dis, mon frère. S'il y a des esprits qui t'ont secoué à tes pensées, à gaspiller, à perdre l'argent, ce soir, c'est ma genue, sous la présence du Dieu Tout-Puissant, secoue ce peuple. Amen. Amen. Oh Jésus. Oh yes. Gloire à Dieu. Si c'est pas mon. Je crois. N'amini. Que ce frère. Oh yundugu. L'église. Kanis. Arrive à un niveau. Et le fika mkiwango. À un sphère. Il y a toi. Une dimension. Kiwango. Qui va secouer le monde. Il est attendu sa donner mouzimo. Que quelqu'un dise. Monte sem. Seigneur, amène-moi là. Va nous n'pele que pale. Seigneur, amène-moi là. Va nous n'pele que pale. Je vais là. N'pende pas. Je vais là sur les jeunes du colombe sur les jeunes de l'Afrique. Je vais là. Na penda pale. Na oh, écoutez. Moshiki. Depuis l'époque de Jésus. Kwanza mwakata yes. De Jésus de Nazareth. Yes, ma Nazareth. C'est la première fois. Ni mara kwan. Qu'il a été dit à un être humain. Ime semekana kwa mutu. Demande ce que tu veux. Lomba kile na penda. Et cela te sera accordé. Na kile kitakupewa. Hallelujah! 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 Depuis l'époque, tangu wakati, de Jésus, yeah, yes, c'est la première fois qu'il a été dit, il a laissé à un être humain, demande, lomba, ce que tu veux, tu n'appelles, je te le donne, il coupes, ce ministère là, et dans l'église, il compte dans le calice, aujourd'hui, Léo, il est le même, ni mumoja, il peut se tenir ici, alors ça si maman pas, et te dit, na ku kolus, demande. L'homme qui la paix, je te le donne. Écoute, est-ce que tu crois? Et tu n'amines? Est-ce que tu crois? On amine. My, my. Oh là là. My, my, my. Oh là là. Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Une fois, j'ai passé à une grande église de la place. Mara moja nilikuwa mkalisha moja mnene ya Paifas. Et pendant que j'ai prêché, wakati nilikuwa nabiri, je suis sorti. Nilitoka. J'ai vu un enfant venir là. Niliona mtoto anakuja. Il m'embrasse. Ananibamba. Il dit à ses amis. Anaonesha marafiki yake. Voici l'homme qui a fait que je commence à parler. Muone mtu alifanya kusema na mimi nianze kusema. Je ne parlais pas. Sikuwa nasema. Un jour. Siku moja. Ma mère m'a amené dans son bureau. Mama yangu alipeleka ofisi yake. Il n'est pas même de cette église. Une grande église de la place. Je priais pour cet enfant. Dieu m'a dit qu'il a une pierre sur sa bouche. J'enlevais la pierre par la porte. Je lui ai donné son langage. Pendant que je prêche, je peux entrer dans le monde. Le monde de langage. Le monde de travail. Le monde de santé. Le monde de richesse. Je peux t'accorder ce que ton cœur désire. Si tu dis amen, la chose doit arriver. Si tu dis alléluia, tu ravis la chose. Alléluia. C'est la première fois qu'il a été dit à un être humain. Il a le choix à mutu.
Demande ce que tu veux. L'homme vient tout n'apprendre. Et cela te sera accordé. Na ile utaipata. Quoi que vous désirez. Ata unapenda nini? Ma fille. Mtoto wangu. Tout ce que tu veux. Bien tout n'apprendre. Ce soir. Mangari bale. Un être humain peut te l'accorder. Mutu akufa takupabio. Prenons pied. Na bien sème. Ne voyez-vous pas que les paroles de Jésus-Christ sont en train de s'accomplir? Oh, cela va arriver très bientôt. Je m'attends à ce que ça arrive dans cette réunion. Même dans cette réunion, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Dans cette réunion, moi, tout peut être possible. Je veux que cela arrive maintenant. Que quelqu'un dit, je veux que cela arrive maintenant. Maintenant. Oh my. Oh là là. Frère Branham dit, na bien sème. Je veux que na peine que cette onction impacte frappe l'église entière. Il pique à Kanisa Muzima. L'église de Dieu vivant. Kanisa Mungu Muzima. Que l'onction les frappe. Impacte ma couche. Pendant que je prêche. Wa katiri kunambi. Je demande à l'onction. Nalomba pako. De frapper ton corps. Ibambe mwili yako. Alléluia. Alléluia. Branham dit, na bien sème. Que l'église s'élève. Kanisa Shimame. Comme une puissante armée en marche. Ça va vivre Jesse Munel Mkutembea. Ce soir. Mangaribi. Sois une armée. Kuya Jess. Sois une armée. Kuya Jess. Reçois l'arme. Bakia Munduki. Reçois les balles. Bakia Massa. Reçois l'onction. Bakia Pak. Reçois la puissance. Bakia Ngufu. Reçois l'élévation. Bakia Pandisha. Reçois toutes les choses. Bakia Kitu. Oh my. Oh là là. Prenamati. Nabia Lassem. Les malades seront guéris. Bagonjo va taponne. Par une parole. Kopitanenu. Par la parole. Kopitanenu. Un malade sera guéri. Mugonjo taponne. Les aveugles verront. Ba peuple va taonne. Les sourds entendront. Bale basikia va tasikia. Les morts seront ressuscités. Ba fufu batafufuka. Et la puissance de Dieu. Na nguvu ya Mungu. Secouera le monde par l'éclat de Dieu. Ita tenkesha dunia kupita Kristo Mungu mzima. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit. Na bien sème. Nous sommes dans la préparation de cela maintenant. Si tu es tayari tu kunachunga Biblia nikanike. Branham dit. Na bien sème. Je crois. Naamini. Que cela arrivera très bientôt. Itafika pa karibu. Je crois. Naamini. Que ce sera exactement de cette itafanyika mpaka mwile namu. Quelle façon. Namna je. Où tu prononceras la parole. Utasema sauti. Et la chose arrive. Na kitu kitafika. Branham dit. Na bien sème. Je crois. Naamini. Que cela va bientôt frapper l'église. Il est à pique à Christ à pas caribou. Cela va commencer un réveil. Il t'enza wamcho. Qui secouera le monde. Il t'a tinki sa dunia. Je le crois. Ayamini. Le Seigneur. Voilà. Dieu du ciel. Mungu mbingu. Qui a fait le ciel. Allons pas mbingu na dunia. Dont je suis servi. Voilà un pari comme tout le chouette. Je me tiens ici. Na simama passas. Maintenant. A passas. Devant vous. Beleyen. Au nom de Jésus Christ. Moutina Jésus Christ. Ces paroles sont. Manelu yakini akwe. Oh, oh, nous sommes prêts de l'achat. Karim na kitu. Branham dit. Mon cœur. Royang. Est dans le spectacle. Iku na chunga kitu kionekanike. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Ce soir. Man karibu. Soyez dans l'attente. Mokuya mkuchunga. Et ton miracle. Ya mujiza. Et ton changement. Ya kubadilika. Et ta bénédiction. Ya mibaraka. Ne rejette pas. Apane kutupa. Ton enfant sera guéri. Imu toto kwa tapone. Ne rejette pas. Usitupe. Ne rejette pas. N'abandonne pas. Cette pauvreté. Sois dans l'expectative. Tenez-nous debout. Dieu est capable de secouer son église avec une puissance. Nous devenons l'armée de Dieu. L'armée. Yes. Qu'on ne peut pas renverser. Il est battu à Queen. L'armée irrenversable. Yes, est battu à Queen. Oh, lève-toi, mon frère. Bandit, ça va la cima, mandoku. L'homme va qui peut secouer. Il est à tenguise dans la chair. Sois une femme puissante. Quoi, mon mot, quoi, un homme puissant. Voilà, ouais. Un frère puissant. Tu vois, ouais. Que toute la puissance. Ouais, sois soumis à toi. Ou quoi, tu y as. Alors que nous entendons les cantiques. Ou à Katana, tout le monde. Nous allons chanter cela. Nous allons entrer dans la. Eu tenho que amar.